Oh. Nouvelle partie. Bon alors du coup ouais, j'ai joué 2 minutes. C'est vrai qu'avant les streams, je fais quand même un très très gros travail de découverte du jeu, de présentation, histoire de, voilà, de m'inspirer au maximum. Choisis un avatar, entrez votre nom de profil. Je choisis quoi? Je crois que ça change rien en plus. Nous sommes qui, nous? Oh, le capuché, là. Oh, le capuché, c'est tout moi. Thomas, merci pour le prime. Oh non, lui, je l'aime bien. Lui, il a un look, lui. Lui, il a un look. Comment je m'appelle? Entrez votre nom de profil, je m'appelle PA. Je m'appelle PA. Je sais pas si ça va servir. Alors donc du coup c'est un jeu où on va être propriétaire de différents appartements etc qu'on va devoir rénover, qu'on va devoir un peu bah, changer, faire évoluer et ensuite il faut les louer et je crois que moi c'est ça que j'aimais bien dans le jeu, c'était toute la dynamique de location où tu dois choisir ton locataire pour éviter que ça soit des fêtes, pour éviter que tout soit pété, pour éviter qu'il y ait les flics et que tu doives gérer la totalité. Donc il y a un petit tuto, je crois que c'est lui, je crois que lui c'est notre gars lui. Donc ça c'est... Ah mais j'ai pas choisi lui comme gueule. Pourquoi je ressemble à lui? Bienvenue à Wondersville. Nous souffrons actuellement d'une petite crise émigratoire, mais dans l'ensemble, c'est une ville formidable. Pour le moment, la majorité de la ville est inaccessible. Mais nous débloquerons d'autres quartiers au fil du temps. Très bien. Prêt à te jeter à l'eau? Clique sur le quartier pauvre et rejoins-moi là-bas. Je t'expliquerai ce qu'il faut faire en chemin. Boum. On est parti. Alors. Crise émigratoire. C'est les gens qui partent, non? C'est ça? Où il y a trop de gens? Non? Le quartier pauvre. Oui, c'est la plèbe. Bonjour. Oui, c'est ça. Ouais, tout le monde se barre. Le quartier des gueux. C'est pour moi, j'ai quelques propriétés dans le quartier des gueux. Regarde ton téléphone, je t'ai laissé une mission. Je crois que c'est un jeu à... J'ai cliqué sur joueuse, moi. Niveau 1. Temps de jeu, machin, contenu aléatoire, contenu défini. Oh, j'aime bien déjà ça. Putain, j'ai l'impression de jouer à GTA RP, là. C'est ouf. Tes missions, donc j'ai besoin de quelqu'un pour transformer ma vieille caravane en espace de vie convenable. 4 000 $. Je suis allé à peu près jusque là, enfin je suis allé donc... Donc là en gros, donc là t'as une quête, il y a 10 000 $ de budget, j'ai besoin de quelqu'un pour transformer donc machin, et là en gros tu vois ta tâche, tu vois. Donc je pense au début ça va être très guidé, c'est le tuto, boum, je clique, comment c'est donc ça, tu vois les différents trucs, la valeur c'est 48 000 $ ça? Ça là? Ce truc? Ok je suis là, on dirait que l'endroit est rempli de détritus, pourquoi ne pas commencer par là? Je sais que tu n'aimes pas te salir, alors dis-moi ce que tu veux nettoyer, je m'en occupe. Donc là, en gros, on va devoir nettoyer. Hop, je peux vous faire des petits plans. Je peux vous faire, des petits plans par-ci, par-là. Ça nettoie, ça clique. RP Paris. Je vous présente l'appart de Romain. Il a eu beaucoup de chance, il l'a eu que à 2 000 $ par mois. Gros cop là-dessus. Il s'est mis max. Le travelling. Alors, donc là, j'ai fait à peu près ça. Donc là, en gros, va falloir réparer, etc. C'est pas si mal si ça se fait en un clic. Tu vois, par-ci, par-là. Et j'ai vu qu'en fait, il y a des trucs de réparation. Voilà, boum, là, c'est plâtré, tu vois. Parfait. En fait, tu peux restaurer. Donc, soit tu jettes et tu te fais un peu d'argent, soit tu restaures, mais c'est un pourcentage de chance de le récupérer. Et donc, du coup, tu tentes de le restaurer. Ok, là... Ah bah putain, moi, ça avait pas marché la dernière fois. Et je crois que si tu réussis pas, tu le vends. Je suis tellement heureux. Bon, je partage mes toilettes avec mon voisin de palier, mais c'est vraiment une superbe offre. T'es con. On va voir. Est-ce qu'on a du 3 sur 3? Moi, j'avais juste arrêté là et j'avais eu 2... Oh là c'est réparé, j'avais eu 2 sur 3. Et là c'est 100% de chance, je crois que les gars on va l'avoir. Ah c'est déjà une scène. C'est déjà beaucoup de sensations qu'on est en train de vivre, c'est du 100%. Je suis en 100% ici. Nettoyer l'appartement maintenant c'est le rénover. Ah là on est déjà pas mal là. Hein. Pas besoin de grand chose non plus pour vivre. Hein. Faut pas... Je suis sûr de vouloir quitter les lieux. Ouais, on quitte. Faut recliquer et je commence la rénovation. Putain j'étais... Tout est scripté les gars, je suis déjà allé très très loin dans le jeu. Bienvenue dans le mode rénovation. Pendant les rénovations, alors ça j'ai rien fait encore. Je me suis dit putain, ça je sens que ça va pas être là où peut-être je vais être le plus à l'aise. Donc on va le faire ensemble. Le temps du jeu est ralenti afin que tu puisses te concentrer sur ta mission. Comme tu peux le voir en haut à gauche, le budget restant des missions est coloré en bleu. Ok, là. J'ai 500 balles. Et là du coup j'ai 10 000 balles, ok. Le budget restant des missions, machin, pour le différencier de ton argent. Utilise le menu en bas de l'écran pour accéder aux différentes fonctionnalités de rénovation. Certaines d'entre elles ne sont pas encore disponibles, mais t'inquiète pas, tu finiras par les débloquer. Tu peux quitter la mission en cours grâce à quitter. Ok. Et donc du coup, en fait, là à droite, j'ai ce qu'il faut dans l'appartement. Il n'est pas nécessaire de placer des objets de ce type, mais cela augmentera ta note finale. Et tu peux te faire des petits trucs un peu coquets, un peu sympa, quoi. Genre mettre un petit DVD. L'endroit a déjà meilleure mine. Maintenant, occupons-nous du sol. Et donc, du coup, tu dois poser les différents trucs au fur et à mesure. Donc, le sol, ils veulent de la moquette. Merci, Noki, pour le prime. Moi, je te pose de la moquette, mais sans souci, ça. C'est où la moquette? Ils te mettent une petite catégorie moquette, meuble requis, avec une petite pastille. Mais attends, mais... C'est pas magnifique, ça? Attends, parce que ça, là, ça va être... Je sens qu'on va rentrer en Triggerland. Je vais mettre ça ici.
Je la mets de quelle couleur? Mais du coup, j'imagine qu'il y a un truc avec le prix. Plus c'est cher, plus c'est bien, non? Oh, gris, c'est tristoun, hein, gris. Hein. Oh. Oh, tu... oh, c'est affreux. Oh, j'ai choisi la pire. Oh, j'ai réussi en un clic à choisir la pire. Oh, la salle d'attente du dentiste qui a 75 ans qui revend tes dents. Parfait. Continue comme ça. Maintenant, tu devrais pouvoir... J'ai hésité entre vert. Peut-être que gris, c'était mieux. Mais bon. Eh, on va pas payer 55 balles la moquette quand même quand on peut la toucher à 50. Hein. Eh, pas à nous. Hein. Continue comme ça. Maintenant, tu devrais pouvoir t'occuper des murs de la même façon. N'oublie pas de consulter la liste des exigences. Ok. Qu'est-ce qu'il y a de manière? On va pas pouvoir entrer une télévision, des chiottes, papier toilette. Mur peint, ils veulent en vert, les murs. Je clique et là, il y a 3 tons de vert. Ah. Est-ce qu'on prend un verre un peu cassé? Est-ce qu'on... Non mais là on va être vraiment... Ah, on peut pas projeter, hein. On peut pas projeter, c'est dommage. Clique une... peindre une fois, maintien pour peindre en continu. Shift, ça peint toute la pièce. Le moins cher. Bon, je vais mettre le moins cher. Hein. Oh, il va être affreux. C'est une ambiance, quoi. C'est une ambiance. Pourquoi pas? Pourquoi pas, moi j'ai envie de dire. Pourquoi pas? Skag adulte, merci pour le prime. Le sub, en l'occurrence. Arrêtez de dire que c'est moche, gris, blanc, noir, rouge sont les couleurs de chez moi. Je suis en train de refaire chez lui, on est tous en mode ah, c'est hideux! Oh, mais qui peut donc bien vivre là-dedans? C'est pas possible! L'enfer. Mais oui, il peut stream en plus, c'est parfait. N'oublie pas donc, tu peux tourner les caméras maintenant en permanence. Mais attends, mais là c'est bon, je peux te faire des travelling et tout. Ok, parfait. Donc il me faut des télévisions, vas-y, envoie du meuble, hein. Boum, micro-ondes. Mais attends, il me faut un meuble pour poser tout ça. Je vais. Là, le mec, il a un frigo. C'est quoi ça? Ah, c'est le générateur. Alors, télévision, toilette, papier toilette. Non mais attends, il va pas mater la télé et chier juste à côté. Comment on fait là? Je vais peut-être lui mettre des chiottes, moi, non? Ce serait pas mal, non? Oh, ça va être terrible, mais lui déjà, il est foutu là, c'est mort. Oh, je peux mettre le micro-ondes sur le frigo. Déjà. Micro-ondes easy. Micro-ondes tout court. Oh, je vais mettre easy. Hein. Oh non, bah voilà, on peut jamais. On peut jamais être créatif ici. Le micro-ondes au-dessus du frigo, c'était... Quand t'es dans un petit appart comme ça, c'était banger. Là, voilà, voilà, je vais me retrouver à mettre le micro-ondes au sol. Il te manque un sol dans la salle de bain. Putain, merci. Merci, mon pote. Mais là, on aurait limite préféré en carrelage, tu vois. Mais bon, ça, c'est autre chose, quoi. Pire idée, chaussures froides. Hein? Bon, attendez. Parce que là, donc, du coup, qu'est-ce que je dois mettre? Je dois mettre, donc, papier toilette. On va commencer par les chiottes. Voilà, je vous le dis. Allez, tu peux le faire tourner. C'est où les chiottes? Ah, mais je vais mettre une petite porte. Porte coulissante moderne. J'ai pas l'argent. Ah, je peux pas mettre si j'ai pas. Ah, mais là, je te foutais une porte coulissante, mon pote. C'était fini. Hein. La baraque, je l'avais et c'était réglé. Salle à manger, salle de bain. Bon, on va mettre des toilettes. Je mets des toilettes pas chères, moi. 140 balles les toilettes, c'est déjà bien. Mais attends, on va pas chier face au... C'est horrible quand même, ça. Je vais lui mettre là. Voilà, c'est parfait, ça. Un petit rouleau de PQ. Non, je me permets de mettre le truc à 20 balles, quand même. Pas trop haut non plus. Voilà. Parfait, juste à côté du générateur. Déplace le générateur. Et je vais le mettre là. Quand les plombs, ils cassent, c'est pas mal. Donc maintenant, il me faut une télé et un micro-ondes. La porte se met sur le mur. Ah, il faut déjà un mur. Ok. Mais tu peux pas construire de mur encore? On est peut-être pas là. Peut-être que là, je suis allé trop loin, trop vite, quoi. Bon. Non, mais là, on est pas mal. On est sur un bel espace, quand même. Hein. Je te le mets là, histoire de vraiment être à l'aise, tu vois. De pas se retrouver dans un truc un peu gênant où ça nous bloquerait le bras ou autre. Bref. Mais attends, parce que là, la télé, il faut quand même que je me crée un petit espace un peu cosy, un peu sympa. Là, la télé, je vais pas lui foutre. Quoique, la télé, on peut la foutre au sol, hein. Honnêtement, la télé... Trilogie de DVD. Ah, mais je vais clairement lui mettre des petits DVD. Hein. Les petits DVD, le truc, c'est qu'il a pas non plus... Oh, les DVD sur le générateur, c'était propre. Dommage. Tiens, il va se les mettre au sol, les DVD. Voilà. Parfait. Qu'est-ce que c'est, ça? Objet re... Accès au meuble obstrué. Frère, c'est un radiateur. C'est un radiateur, cousin. On s'en fout. Voilà, je te le mets là, si tu veux. Comme ça, il marchera dessus. Bon, il nous faut une télé. Il nous faut une télé. C'est où, les télés? Bon, la télé à 100 balles, c'est déjà bien, hein. Ah oui, là, c'est le devant, là. Non, mais attends, je le mets bien. Je décide de bien le mettre. Je prends sur mon budget, mais pour notre premier appart, après, on fera sûrement les pinces. On le sait. Mais au moins, en début, on se dit qu'on le met bien, tu vois. On se dit qu'on le met bien. Mais il n'y a pas des petits... Il n'y a pas un petit meuble TV? Tu vois, un petit meuble télé, ça pourrait être pas mal, quand même.
Je suis dans bureau, c'est peut-être dans séjour. Console de jeu futur. Les jeux. Étage mural. Oh, l'étage mural et je fous le micro-ondes dedans. Putain, le mec est loin. Ah oui, là. Table basse. 300 balles. Hein. Ah, on s'emmerde pas, quoi. Je te mets ça là. Oh, là, je suis sur un gros, gros banger, là, déjà. Là, déjà... Non, là déjà, on est sur quelque chose où on se sent à l'aise, là. Hein. Dommage. Là, non mais là, on se sent très très bien, là. Là, on se sent déjà très bien. Et je fous un micro-ondes maintenant. Ah, mais micro-ondes, ça commence à être chiant de... Mais il fait la bouffe où, lui, déjà? Il a pas de cuisine, il faut une cuisine? Non, il faut juste un micro-ondes. Allez, le micro-ondes, je vais le mettre au sol. Hein. C'est bon, il est pas non plus... pas commencer à se prendre pour ce qu'on n'est pas, ici. Hein. Ça, j'ai déjà le canapé, j'ai déjà le machin. C'est où, les micro-ondes? Bah, ça doit être dans la cuisine, hein, c'est le principe. Ah, il m'emmerde pas, il fera la bouffe au sol, voilà. Je l'ai déjà mis des DVD. Hein. 10K de budget, il me reste 1700 balles. Là, je peux te dire que... Là, le but... Eh, le but... On a 500 balles, hein. On va pas acheter plusieurs apparts comme ça, les gars. Hein. Pensez, pensez grand. On est juste à côté de la fac, il aura pas le choix. Là, c'est... Je suis le Crous. Impressionnant, ça rend pas mal. Maintenant, toi dans l'anglais terminé et termine la mission. En fait, faut qu'on comprenne le jeu. T'as réussi ta première mission. J'ai pris 4000$. Ah mais du coup le budget je pouvais tout cramer. Les proprios à Paris be like. Maintenant que j'ai un secret à ta tante, ma chère femme, t'as laissé... Ah c'est mon oncle. Cet appartement je pense que c'était l'opportunité parfaite pour démarrer ta carrière de propriétaire. Mais l'appart demande pas mal de travail avant de pouvoir le louer. Ah oh, bah attends il est pas mal l'appart déjà là. Raccordé en électricité. Ah bah putain déjà ils me remettent à 500 balles. En même temps s'il est à moi derrière c'est parfait ça. Ok. Boum on le raccorde. Ah il faut raccorder là. Ok, l'électricien qui est dedans. L'électricité est maintenant raccordée. Putain, 4000. Mission de rénovation simple et débloquée. Et du coup, je vais avoir des missions maintenant? Ça m'appartient ou pas? J'ai pas l'impression d'avoir un loyer dans l'autre. Hein. Propriété 1. Tu vas devoir réaliser quelques missions, mettre de l'argent de côté pour pouvoir installer le chauffage. Ah, ok, là pour l'instant, je suis juste en squat, quoi. Quel plaisir. Ils ont changé les Ils ont changé la serrure, c'est fini. Fin du jeu. En fait, ça déduisait tes dépenses du budget total, donc il te restait pas 1300, il t'en restait 8700. Ouais, ouais, je sais, non, c'était 1300 dépensés, oui, pardon. Architecte demandé pour une petite maison de rénovation, cuisine, salle à manger, exigence concevoir une nouvelle cuisine. C'est pour moi. C'est juste pour moi, on y va, les gars. C'est où? Installer le chauffage, boum, j'y vais. C'est juste au petit loft, petite arme de guerre. Un petit fusil Hog, apparemment. Ah, c'est une ambiance, hein, quand même. Hein. C'est toujours atypique, quoi. Mais à côté, il y a des animaux mignons. Le... Kevin a 8 ans. Le papa de Kevin lui a déjà exposé sa plus belle M4. Histoire de... Histoire d'être sûr que Kevin aille sur la bonne voie. Qu'est-ce que je dois faire, là? Comment... Rénover l'appartement, mais comment ça? J'ai pas de... Eh, hey, mettez-moi les trucs à faire, là. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez pas me laisser tout seul en cours. Ça coûte... C'est que 1700 balles. Ah c'est bon, commencer la rénovation, faut que je clique. Pff, j'ai eu peur, putain. Lorsque tu réalises des missions de rénovation, tu dois te concentrer sur différents aspects afin d'obtenir une note de 5 étoiles. La décoration peut être la catégorie la plus difficile à appréhender. Le client noterait la décoration en fonction de l'argent dépensé en objets de décoration. Chaque type de pièce a sa propre liste d'objets appropriés qui affecte le score final. Pour atteindre un score de décoration élevé, consulte la fenêtre d'information sur la pièce et la liste des éléments de ce type de pièce qui s'y trouve. Ok. Donc en gros, t'as les différentes informations qu'il faut. Mais j'imagine que tout va avoir un lien avec le prix, quoi. Donc va falloir faire des commissions. Des concessions. Des commissions aussi, peut-être. Mais... Cuisine. Mauvais type de pièce. Ah, cuisine, c'est pas fou, déjà. Ah, je peux rien déplacer ailleurs. Hein. Ah, ça, c'est leur cuisine, ok. Ah, ok, d'accord. Donc là, en fait, on est dans la cuisine. Ah, c'est chelou que la pièce principale, ça soit la cuisine, quand même. C'est une ambiance un peu... C'est original. C'est genre une cuisine salon, quoi. Cuisine américaine. Bon, pourquoi pas, je vais te faire quelque chose. Bon, et alors, objet préféré, miroir, télévision. Bon, alors là, du coup, c'est à nous, là. Là, c'est... j'ai quoi? J'ai 5500 balles de budget. C'est pas beaucoup, hein, pour tout ce qu'il y a. Hein. C'est une petite coloc, quoi. Ouais, mais après, c'est une grande cuisine, donc ça va. Tu vois, c'est genre un peu américaine, donc peut-être que je vais me mettre un petit canapé. Ils ont juste besoin de chaises et d'une petite table, évier de cuisine. Bon, déjà, on va se faire les sols. Sols, ils ont besoin de quoi en sol? Meuble rock. Ils veulent du plancher? Ouais, sol, c'est stratifié ou plancher. Prends un petit plancher. Hein.
Ça c'est quoi ça? Ah mais ça c'est plancher brique ça. Moi je vais les mettre bien hein. Moi je veux les mettre bien, je vais le mettre comme ça moi. Bon je les mets très très bien là. Déjà il y a un look hein. Et les murs c'est jaune ou vert. Ah, je peux pas les conseiller parce que ça va être... Attention là, ça va être en ton sur ton. Là si je... Mais en fait c'est dommage qu'on puisse pas tester. Parce que là si je fais ça, ça va être ton sur ton. Je pense qu'il faut qu'on parte sur un vert. Un vert un peu fort. Un peu trop fort peut-être. Mais le vert, on va l'habiller. On va mettre des meubles, on va mettre des choses. Ce qui fait que ça sera pas si mal. Quoi qu'il arrive... Ah, j'aurais peut-être dû mettre lui. J'aurais dû mettre le vert foncé. Vert foncé qui te mettait une... Qui te mettait une continuité. Je pense que... On est d'accord, si je mettais ça, c'était trop ton sur ton. Il faut pas. Moi, j'ai appris ça récemment. Enfin, il y a un an. Bon, il me reste 4200. Plante murale. On va peut-être pas commencer. On va commencer par la cuisine. Là, on commence dans le dur, déjà. Cuisine, c'est donc, il nous faut un réfrigérateur. Ah mais, et du coup, il n'y a pas un truc... Merde, je me souviens déjà plus du tuto. Il n'y a pas le truc où... Miroir, télévision. Putain, il faudrait que je puisse... En fait, il nous faut une table aussi, etc. Mais la peinture, juste un morceau de mur pour tester, au lieu de faire shift et de peindre toute la pièce. Ouais, mais c'était 50 balles, quand même. C'est pas toi qui as choisi la déco, PA, dans ton appartement. Bah, moi, j'aime bien le blanc. C'est-à-dire que juste les murs blancs, ça me va. Hein. Après, maintenant, j'ai découvert le pouvoir des fleurs. Mais mon chat aussi, donc... réfrigérateur compact. Moi, je vais mettre un milieu... Oh, t'as quand même envie d'avoir un bon frigo. Hein. Non, la cuisinière, je mets un truc quand même assez bien. La cuisinière, je mets un truc assez bien. Le truc, c'est comment est-ce qu'on va se mettre ça? En face? En face, ça va nous bloquer. Là je veux un petit coin frigo, là. Là, je me mets le petit coin frigo. Oui. Oui, j'ai. Je me mets... Oui. Là, c'est bon. Je me mets ça, et à côté, je me mets le frigo. C'est pixel. C'est le frigo, ça? Réfrigérateur. Ils ont besoin des deux, ou... Non, c'est bon. Je te le mets dans un coin. Au pire, on déplacera. L'avantage, c'est que c'est pas figé. Oh là, déjà, j'ai un espace derrière. Je peux te mettre un giga miroir, ce qui fait que quand tu rentres, tout de suite, tu vois au fond. Ah non, mais là, ça peut être pas ouf à côté de la chambre. Ah bah lui, ça va sentir le graillon chez lui, quoi. Et lui, c'est pas une sport, c'est une salle de muscu, lui. Lui, il a décidé de faire sa vie autrement, lui. Plante murale, horloge murale. Il y a beaucoup de trucs au mur à foutre, hein, quand même. Peut-être un peu trop. Après, alors déjà, il nous faut une table. Petite table. Ah, il nous faut une petite table, mais ils sont quatre à manger, quand même. Hein. Petite table élégante. Je suis un boss. Je sais déjà ce que ça va donner, cette pièce. Attendez, j'ai besoin de réfléchir. Je sais pas. 99 balles la chaise. Vas-y, je te mets des chaises bien. Je mets 4 chaises. Ouah, c'est pas mal, hein. Sympa, là. Hein. Eh ben, je sais pas qui a refait chez vous, mais évier de cuisine. Ah, il y a ça aussi. Ah, mais là, je suis niqué, là. Non, mais c'est trop bizarre. Ah, putain, je suis niqué, je crois que je suis niqué. Attendez, on va voir. Tout va bien se passer. Évier de cuisine. C'est où l'évier? Ah, l'évier. Non, mais l'évier, on va pas prendre le truc le plus cher, je vais prendre un truc moyen. Hein. Eux, ils ont pas non plus un budget fou, hein. Après, il me restera 2000, au pire, je prendrai pour plus cher. Je prends ça là, mais ça va sûrement bouger. Parce que là, on a un espace non utilisé, là. On a un espace non utilisé, c'est dommage. Mais en même temps, ça pourrait peut-être être l'horloge murale, la plante murale. Parce qu'en fait, limite, t'aurais envie de mettre... Là, on va avoir trop d'espace non utilisé. Sauf que, est-ce que tu foutrais ça ici? Tu vois, tu te poses la question aussi, quoi. Ça, c'est la salle de bain. T'as pas envie, juste à côté de la salle de bain, d'avoir ça. Mais par contre, pourquoi pas se dire... Non, juste à côté, on n'aurait pas quand même à côté de la porte d'entrée, le frigo. Oh si, je casse les codes. Non mais là, ça va, si, c'est bon. Non, en fait, je sais. Celui-là, je vais le mettre là. Et comme ça, là, ils peuvent cuisiner de fou. Mais en fait, autant que je fasse ça. Oh, le génie. Le génie de fou. Oh, y a, et je fous tout là. Oh, c'est magnifique. Oh, la dingue. Là, est-ce que je peux sélectionner? Je peux pas sélectionner plusieurs trucs à la fois. Si, on est bloqué quand même. Hein. Bon, pour l'instant... Ah ouais, mais là, du coup, il kiffe pas, là. En fait, je vais te le mettre légèrement comme ça.
Je suis en dingue, hein. Je vous préviens juste, là, c'est... Là, honnêtement, c'est magnifique. Ici, là, je vais te mettre un miroir gigantesque ici. Ici, je vais te mettre un petit coin télé, ce qui fait que, en fait, même la table... Hey, tu sais quoi ? Attends, parce que là, ça va être autre chose, là. La table, je te la tourne légèrement. Je te la mets comme ça, la table. Ce qui fait que tu te fais un petit... Tu sais, genre, tu tournes la chaise. Ça, c'est la chaise quand il y a des petites soirées ou quoi. La quatrième, elle fait toujours plaisir, mais... Là, je vais me mettre ici un petit coin télé, grand miroir, là. Ça va être dingue. Il me faut quoi, là? Horloge murale. C'est où, les horloges murales? Plante murale. Grand miroir mural. Boum. C'est combien? C'est 90 balles. Faut pas lésigner. C'est de la merde. Non, c'est de la merde. Mais du coup, juste avant de partir de chez toi, tu te check un peu. Tu te check un peu pour savoir si tu peux partir. Sortie de salle de bain! Tu te check. C'est gagné. Ça, déjà, c'est gagné. Pendule... Ah, mais personne n'aime les pendules murales. Où est la bête? Elle doit être dans un carton. Oh ouais, là c'est sorti... Oh putain, mais là je suis dans les années... je l'ai pas vu depuis longtemps. Moi. Joue avec un truc. Ah, c'est départ pour le veto là, et c'est caché, Ouna. Roucoucou! Deux secondes, excusez-moi. On joue? Ah, elle est peut-être là, je pense qu'elle aime bien être ici. Oh mon bébé, tu t'étais caché, t'aimes bien entendre papa rénover. Allez, viens là, hop. Hop, la grosse bestiole. Hop, 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 on va chez son copain le vétérinaire. Oh ouais, ça va être bien, ça, il est super, en plus il est gentil. A tout à l'heure, hein. Non, mais j'arrive pas. Ouais, alors, excusez-moi. En fait, c'est la première fois qu'il faut la mettre chez le... Mais il faut que je mette pause. Je peux pas mettre pause. Je mets stop. Première fois qu'on doit la mettre dans la cage pour aller chez le veto, il y a petite mission. Je me dépêche et j'arrive. Putain, je lui cours après, elle est revenue. Ouais, je t'ai. Voilà. Tout va bien se passer. Regardez ce petit être là. Qui est impossible à choper, qui fait des bêtises.
Ok, c'est bon. L'éleveur animalier de retour. Les bras en sang. Ah ouais, putain, j'ai dit à ma meuf, ça va être... Elle m'a lacéré. Je lui ai dit, ça va être chill, t'en fais pas. Quand je l'avais emmené, ça s'était bien passé. Sauf qu'entre-temps, elle a 2 mois de plus. Elle s'est chauffée à la cage, elle refusait la cage. Laisser la caisse de transport ouverte en libre accès tout le temps. Ouais, c'est pas mal ça. Mais c'est vrai qu'on n'avait jamais... Jamais l'occasion de l'emmener chez le véto, tu vois, donc voilà. Ça va, on voit pas trop. Non, ça va, c'est léger, par rapport à ce qu'elle a pu me faire sur les mains. Bon, du coup, j'en étais où? Parce que moi, c'est bon, j'ai été coupé dans mon inspi, là. On était sur l'horloge murale. Mais en même temps, c'est moche, ça, c'est très vieux, quoi. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans un... On est chez des Anglais, dans les années 70-80, tu vois. Avec un poste de télé des années... Mais là, on est en même temps dans un réfectoire, quoi. Donc bon. Qu'est-ce qui est le mieux, quoi? Ouais, chez les Anglais. Chez les Anglais à l'ancienne. Allez. Moche, mais rentable. Il me manque quoi? Une plante murale. Ah, la plante murale, elle peut peut-être faire la diff. Oh, la plante murale que tu te mets ici, là. Ah, mais vert sur vert, c'est pas ouf, hein. Le truc, c'est que ça, je sais pas où le mettre, hein. Ça, honnêtement, déjà, je vais me faire la télé, là. Parce qu'il me reste quoi? Il me reste 1400 balles. Les murs verts, ça aide pas. Non, mais je pense que c'est difficile de faire bien rentrer le truc dans le jeu, voilà. Ils veulent une télévision. La télévision, je vais t'en mettre une, moi. Mobilier. Parfait pour un dîner en famille. Ah, mais non, ils veulent pas ça. Ils veulent une petite table. Décorative, élégante. Une chaise. Oh, j'aurais pu mettre un pouf. Attends, mais je vais leur faire un vrai truc. Bureau, non, c'est pas dans le bureau, c'est dans le salon, la télé. Hein. Tu sais qu'honnêtement, je te mets la télé comme ça. Mais en fait, j'aurais tellement pu la mettre au mur. Écran de télé mural. Ah, mais c'est 2000 balles. Ah ouais, en effet. Ah, mais là, c'est de la merde, là. T'as pas envie de ça, là. Oh, c'est horrible, c'est moche. Oh, je sens que je vais faire que des trucs moches. Oh, c'est pour moi, ça y est. C'est que ça va être moche. C'est horrible. Et la plante murale. On va gerber. Pas tant à gerber que ça quand même, hein. C'est pas si moche, hein. Honnêtement, c'est pas si moche, hein. Je trouve que ça va, hein. Non, non, moi je leur laisse 150 balles. Allez, je t'en mets une deuxième. Non, ça va, hein. Celle-là, elle était moche, peut-être. Et quand tu vends, tu récupères pile la même somme. Ah, mais là, du coup, il manque quelque chose, là. Là, il manque quelque chose. Eh, mais tu sais quoi? Un petit... Oh non, pas un poster comme ça. Une petite map monde. Petite map... Non, un petit... Mais attends, mais il y a déjà ce poster quelque part, non? Eh, boum. Je te mets un petit poster un peu pop, un peu machin. Ah, mais là, ça fait vraiment chambre d'ado, là. Work hard, play hard. Putain, on est où, là? On est où? Poster zombie muffin. Ça, c'est bien, ça. Bah, mon frère, c'est magnifique, ce que je viens de faire. C'est magnifique. Honnêtement, c'est sublime. Moi, je pense que j'ai terminé là-dessus. Hein. J'ai tout coché, je leur ai mis un miroir pour pouvoir se check, une télé, et c'est que le début. Hein. Petite biblio, un autre miroir. Non, mais les gars, on n'est pas dans les Sims, là. Là, l'objectif, ça va être la rentabilité. Tu vois. La rentabilité tout en ayant des choses qui sont bien faites, tu vois. Et ça va être ça, le beau moment. Rénover l'appartement. Comment on dit que c'est fini, déjà? Comment... Ah, c'est là, je crois. Ici. Terminer la mission. Merde, il y avait marqué que c'était à 12%. Oh, elle a kiffé. Non. Non, 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 attends. C'est où? C'est là. Elle kiffe ou pas? Oh, elle kiffe pas trop. Oh non. Mais qu'est-ce que tu... Pourquoi tu vas derrière la télé aussi? Ils sont en perte d'espace. Oh, j'imaginais pas du tout que c'était quelqu'un comme ça, moi. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est pas contente de tout, là? Et elle se casse? Genre, c'est une experte, elle? Ouais, soleil. Un peu de soleil, un peu de soleil. Et qu'est-ce qu'elle me dit là? Elle est en train de noter mon appart? Ah, elle a bien aimé là. On sait pas ce qu'il sait, mais c'est positif. Ouais, elle a bien aimé la table. Tu vois, qu'est-ce que c'est? Gagne des points d'expérience en terminant des missions. Oh, j'ai un grille-pain maintenant. Je peux faire un grille-pain. Nouveaux objets débloqués. Oh, j'ai un porte-manteau, j'ai un nouveau lit, j'ai... Pff, c'est le début là. C'est le début de quelque chose. Malheureusement, c'est ni bien fait ni rentable. Là, je vous trouve... Par contre, je perds la maison une fois sur deux. Ah non, en fait, ça t'exclut de la maison. Pas à vendre pour le moment.
Et du coup, nous, on va pouvoir récupérer au fur et à mesure. J'ai 2200 balles. Est-ce que je peux aller voir un truc de chauffage si je peux faire quelque chose? Non, il me faut 6000 balles pour installer tous les bails. Ah ouais, vas-y, mais là, il faut charbonner, en fait. Envoie de la mission. Oh, j'ai plein de missions différentes. Qu'est-ce qu'on fait? La mission qui nous rapporte le plus. Ouais, mais elle, ça nous rapporte pas beaucoup. Alors, budget. Sportif à la recherche d'un architecte. C'est pour moi. Conception d'une nouvelle chambre. Concevoir une nouvelle chambre, budget 6000$. Vous aurez un pourboire si le travail est fait en 5 jours. Ah, d'accord, il y a aussi la notion de temps. Nouvelle salle de bain. Oh, le sportif, il est pour moi. Le sportif, il est archi pour moi, c'est parti. J'accepte, on y va. Meuble requis, 5 jours. Rénover l'appartement. Ok, let's go. Ah d'accord, c'est quand même tout ça à faire. Qu'est-ce qu'il faut? Horloge, livre. C'est sa chambre ça, il veut quoi déjà? Comment je sors du truc pour comprendre? Pièce standard, décoration 0%, pièce standard. C'est celle-là que je dois décorer du coup? Meuble requis, sol. Et il a deux chambres ou pas? On comprend pas ce qu'il veut le con. Je comprends pas. Concevoir une nouvelle chambre. Bah, c'est ça pour moi. Pour moi c'est une seule, pour moi c'est elle. Ça insulte le client. Oh oui, non mais là... Alors, linoléum, c'est quoi du linoléum? C'est ça. Ah mais en même temps, c'est dégueulasse ce qu'on nous propose, hein. C'est linoléum ou moquette? Moquette, c'est pas si mal, hein. En vrai, moquette, c'est pas mal, hein. Je te mets un peu de moquette, hein. Une chambre et l'autre, une salle de sport. Ah, il disait qu'il voulait les deux. Chambre et salle de muscu. Seulement la pièce de gauche. Je sais pas, j'avais l'impression... En fait, vu le truc, je me dis que, tu vois, si c'est... Ça veut dire qu'on doit faire zéro... Celle-là, je pense. Ok, du coup ça c'est bon. Les murs c'est vert ou jaune. On en peut plus, c'était bien si ça change un peu là. Un peu de soleil. Oh c'est déjà dégueulasse. T'en montres? Oh non, on peut pas. Oh bah on est parti comme ça. Oh c'est déjà horrible gros. On est doomed là, c'est bon, c'est fini déjà. Mobilier. Ok, mobilier, il nous faut un lit. Lit simple. Non mais ça c'est vraiment... C'est terrible ça. Lit crocodile. Le petit lit croco, il peut mettre bien. Hein. Le petit lit croco, il a envie de pouvoir monter des deux côtés. T'as pas envie d'être sous la fenêtre hein, pour le lit croco. Hein. Je vais le mettre pile poil. Comme ça. Je te le mets dans le coin là. Il y a marqué mauvais type de pièce. Comment ça? Comment ça? C'est quoi ces Sims de Wish? Mais là, je te sens beaucoup dans le jugement, là. À toi de me dire, mais... Poster de motivation, il faut des posters. Mec, on est en train de rénover des apparts, après je vais avoir le mien. La question, c'est quand est-ce qu'on va avoir le mien? Lampe, une lampe. Le truc, c'est qu'il a quand même pas mal de budget, le con, hein. Tant que je prenne ça, là. Et je lui mets... Oh, j'aurais grave pu lui mettre dans le coin si je décale légèrement. Je lui mets ça dans le coin. Comme ça, il peut lire. Il peut lire, c'est parfait, ça. Vieux PPR, merci pour le prime. Ok, petite plante, banc de muscu. Il veut un banc de muscu, donc lui, il veut du... C'est 2000 balles, le banc de muscu, gros. Ah, quand même, hein. Ah, c'est... Bon, je vais le mettre dans le coin, là. Ah, je lui mets dans le coin. On déplacera peut-être quelques haltères. Ah, les haltères, on va se la jouer soft, hein. Ah non, mais là, du coup, il peut pas. Ah, le coach, parce qu'en fait, tu rentres tout devant, quoi. Il me reste 2500 balles. Petite plante, poster de motivation. Petit échiquier, là. Ça, c'est pendule. Pourquoi il me faudrait un pendule? Ah, c'est ses objets préférés, une horloge. Ah, putain, le bâtard. Mais attends, à quel moment t'as envie de ça chez toi, frère? Y a pas d'entre-deux, quoi. C'est soit t'as... Y a pas l'entre-deux, quoi. C'est vraiment soit t'as le monstre, soit horloge et des livres. Mais du coup, je sais ce que je vais faire. Je vais me faire une table basse. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite table basse. Mais on a toujours un peu les mêmes, les tables basses. Porte-manteau suspendu. Range un peu. En fait, je vais mettre la table basse ici. En fait, est-ce que ça doit faire les deux côtés ou t'as juste envie qu'il le prenne d'un côté? Ce qui fait que là, par-dessus, je lui mets une petite lampe. Non, une petite plante, pardon. Une petite plante, donc vraiment un truc un peu mignon. Oh, le bouquet de roses. Oh, le petit bonsaï. Petit bonsaï. Ah, mais je vais pas pouvoir mettre le réveil.
Je pense que ça va pas rentrer. Réveil plus... Le réveil en l'occurrence, on va le mettre plus près de son lit. Je te le décale un peu. Bon, je me donne là. Hein. Là, je me donne. Et il veut des livres, lui. Il veut des livres. Où sont les livres? Ah, il faut des trucs de motivation. Ah ouais, lui, c'est le pousseur. Work hard, play hard, directos. Lui, c'est le pousseur. Lui, à deux doigts de foutre le dream big au plafond, comme ça, quand il s'endort, il a ça, tu vois. Là, c'est vraiment le... Ah, le dream big et work hard, play hard, c'est exactement le mec, là. Dream big. Voilà, je te le mets là, là. C'est exact, on l'a cerné, le mec. On a exactement compris ce qu'il voulait, le gars. Il a bien fait de faire appel à moi, hein. Putain, je peux pas les mettre. Pourtant, c'était une idée de génie, mais je peux pas les mettre. Comme quoi, ça se joue vraiment à rien. Ouais, mais après, tu vois, au sol, c'est pas choquant s'il se met ses petits bouquins ici, quoi. Je trouve pas ça choquant. Du coup, ça fait que j'ai un peu plus de place pour vraiment le mettre à l'aise. Mettre la plante à l'aise aussi. Là, je te laisse passer un petit peu, quand même, histoire qu'on soit pas dans un truc... Bah, c'est pas mal, non? C'est un peu vide, mais... Mais du coup, on m'a dit pour boire si jamais... En fait, la question, c'est est-ce que je dois tout claquer ou pas? En fait, c'est ça que je comprends pas, tu vois. Parce que si je claque tout... Tiens, boum, un petit calendrier ici. Je te mets ça là. En vrai, c'est propre ce que j'ai fait, là, je trouve. Non? Petit tapis de pouce, ça, là. Ok, non, pas de tapis. Pas de tapis. Figurine Wonder Moon. Ok. L'intégrale. Il a pas de vêtements à ranger. Non mais là vous êtes trop roleplay là. Là vous voyez trop loin. Moi il me demande un truc, je lui mets quoi. Après c'est vrai qu'une petite commode. Il n'y a pas de grosse armoire quand même hein. C'est vrai que je vais lui mettre une petite commode. Je voyais bien une giga armoire là contre le mur là. Ça c'est bien et voilà hein. Bon, là, il est bien déjà le mec, hein. C'est pas très beau les livres dessus, hein. On va les tourner. C'est pas... Regarde à gauche. Comment ça s'appelle? Tâche rénover l'appartement. Non mais c'est bon, j'ai fini là. Zrors, merci beaucoup. Et limite, je lui mets un peu plus de... Limite, je lui mets un peu plus d'objets de pouce, quoi, tu vois. Pour qu'il puisse vraiment bien pousser, là, il a vraiment tout un coin d'alter et tout, très sympa, quoi. Dans les années 70, ça passe. Non, mais après, on doit faire en fonction de ce qu'on a. Moi, je trouve ça très bien, ce qu'on a fait. 32%. Je vais pas faire la salle de muscu dans la pièce d'à côté. Non, je crois pas. On va voir. Je pense qu'elle va juste être là, là. Merde, putain, on comprend pas. Oh, la lampe. La lampe, elle a kiffé. Oh, elle a kiffé la lampe, hein. Non, mais en vrai, j'ai fait une vraie belle pièce, là, hein, je trouve, hein. Je trouve que, parce qu'en fait, il y avait aussi un bonus. Elle est contente, elle était en full kiff, ok, petite table basse. Elle va être en smile. Bah, elle a pas aimé la table? Ok, je la mettrai plus celle-là. C'est quoi ça? C'est soleil dans la pièce ou c'est espace vide? Ah, espace vide, elle a pas trop kiffé non plus. C'est fini? C'est fini? Réussi. Un de vos clés. Oh, parce qu'ensuite, il y a des commentaires. Oh, il y a des... J'avais pas vu ça! L'autre, elle m'avait mis quoi? Ok, donc l'oncle Steph, il m'a mis 4 étoiles. Première impression, 3 étoiles. Les objets pourraient être plus modernes, écran plat. T'avais pas le budget. Les pièces sont très mal décorées, cuisine. Alors là, j'ai un peu progressé en... J'avais 4 étoiles, j'ai eu que 3. J'ai pris 400 balles de bonus quand même. Pas si mal. Meuble préféré. Ouais, ils ont pas trop aimé non plus, quoi, mais bon. Aucun problème, catégorie la moins importante. Et du coup, t'as des catégories qui sont indispensables en fonction. C'est-à-dire que t'as des trucs où, à chaque fois, tu sais pas exactement, mais voilà, c'était la chambre à coucher. Bah, j'étais pas si mauvais, je trouve, quand même. Vous êtes dur. Bon, est-ce qu'on a des gros sous, là? Ici, à Jay French. Je cherche un designer pour me construire une nouvelle salle de bain. 2200 balles. Ah, mais ça, c'est 2200 aussi, mais c'est plus difficile, je pense. Tu vois, il y a une notion de... Je vais me faire la salle de bain. Je me fais la salle de bain tranquille. On se fait une petite salle de bain au calme. Et ensuite, j'aurai assez pour installer le chauffage, là. Ok. Bon, salle de bain, on progresse, là. Ok, très rapidement, commencer la rénovation, boum.
pas que ça à faire là, moi. Hein. Mauvais type salle de bain, mauvais type de pièce. Donc, du coup, c'est ici qu'elle veut faire. Sympa leur appart. Hein. Là, j'aime bien. J'aime bien. J'ai préféré plante murale. Ok, je commence direct. Le sol. Le sol, ils veulent quoi? Stratifié ou pierre? Ah, moi, je verrais bien quelque chose de très, très sobre. Hein. Tu vois, quelque chose. Voilà. Ouais, exactement. Pour une douche à l'italienne, je pense que c'est parfait. Gris ou rouge? Va falloir choisir un bon rouge. Hein. Parce que là, attention à pas tomber dans... Oh, le gris sur gris, il va être terrible. Gris sur blanc, ça va être terrible. On a besoin d'un peu de couleur, on a besoin d'un peu de peps, mais on n'a pas besoin non plus. Peut-être ça. C'est pas beau. C'est pas beau, mais on n'a pas le choix, quoi. Ça, c'est moche aussi, ça. T'as pas envie d'être là-dedans, gros. T'es... Ça? Non, mais là, t'es au carnaval. Ça? Peut-être ça. Ouais, ça. Un peu chelou, quand même, pour une... Un peu chelou, mais gris. Peut-être que gris, c'était bien. Tu as les lignes directives en haut à gauche. Putain, indispensable, meuble requis, mur. Ah, mais les murs, attends, mais je mets le truc le plus cher, du coup. Je mets le truc à 60 balles, attends. Ah bah, je mets le truc à 60 balles. Ah bah, attends, parce que je lui mets le truc maxi-prix, hein. Ah, je lui mets le truc maxi-prix, le mur, c'est hyper important. Ah, c'est bon, on a déjà percé, on a déjà compris. C'est une ambiance. C'est ce que le client veut. Hein. Moi, je m'adapte avant tout aux besoins du client. Je suis pas du tout... Nous, on est juste prestataire. Je suis là pour donner mon avis, mais baignoire ou douche? Oh bah, je lui mets un bain douche. Baignoire. Papier toilette. Brosse de toilette, papier toilette, lavabo. Attends, je vais te mettre ça dans le coin, déjà. Je peux pas lui mettre un bain douche? Douche massage. Ouah, c'est pas mal, ça. Ouah! Non, je vais lui mettre la douche massage. La douche massage qui met toujours bien, quand même. Là, honnêtement, celle-là, déjà, elle met bien. Douche pigeon. Moins importante, décoration. Les meubles requis, elle a envie que ça rigole pas du tout. Ok. Donc là, tu rentres par là. Déjà, je peux peut-être mettre un petit porte-serviette juste à côté. Le petit porte-serviette, je pense qu'il ferait plaisir. On peut pas mettre des porte-serviettes. Ah bah ici, toilette pigeon. Hein. Toilette pigeon. Je te mets ça dans le coin ici. Et ici, je te mettrai le... Ah bah c'est bon, là, le gars, je le mets max, là. Hein. J'ai tout de suite cerné, lui. Hein. Un meuble papier toilette. Ils ont pas dit que les meubles requis, si c'est important. Bah c'est bon, je lui mets... toilette devant la fenêtre. Ah oui, c'est vrai que c'est horrible, ça. Ah, personne n'a envie de ça, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a la fenêtre. Ah, c'est vrai que les chiottes devant la fenêtre, c'est pas bon call. Bien vu. Et du coup, t'es obligé d'être en chiottes en sortie de douche. Hein. Enfin, t'es dans un espace un peu mouillé, ce qui est pas beaucoup plus agréable, hein, au passage. Pas vraiment envie de ça non plus, mais bon. Oh, pas mal quand même, là, ce que je viens de faire. Hein. Ok, et il manque un lavabo, et du coup, là, ça va être l'espace lavabo. Lavabo, évier géant. Enfin, en fait, ils auraient pu en mettre deux, des comme ça. Parce que là, il y a combien? Il y a du monde, là. Un deux vasques, là. Un deux vasques, c'est parfait. Bon, là, tu vois, on est bien. Et à côté, je pense qu'il nous faut, du coup, moins important, décoration. Donc elle s'en bat un peu les couilles de la déco. Déjà, je te mets un petit lave-linge on the tax. Oh là là, mais là, c'est... Là, honnêtement, je suis en rampage. Est-ce que ça absorbe pas les odeurs? Oh là là, mais là, attendez, excusez-moi, mais c'est... C'est assez fou ce que je fais, là. Je vous le dis, c'est quand même assez fou, là. Salle de bain. C'est où les miroirs? Il me faut un petit miroir en face, toujours sympa de se regarder, quand même, quand tu... Un miroir. Ah, mais j'ai que du miroir flingos, aussi! Personne veut ça! Personne veut ça. C'est quand même joli. Un peu surchargé. Légèrement surchargé. Je sais pas ce que vous en pensez. Là, cet espace-là. Je sais pas s'il faut pas mettre ça là.
sais, ça te... Tu sais, ça te surcharge, ça te prend. Ça te prend aux tripes, ce truc. Tu vois, je pense que c'est un évier de cuisine. Oh, il fait les deux. On dirait un meuble cuisine. Non, mais t'es content d'avoir quand même des petits rangements. Mets un porte-serviette. Frère, je n'ai rien. Pour l'instant, je suis en galère. J'ai pas de porte-serviette. Catégorie salle de bain, je pense pas que le porte-serviette il soit en salle à manger, tu vois. En fait, on va débloquer au fur et à mesure. Pour l'instant, il faut qu'on soit en basique. Je vais mettre un petit tapis de douche, ça c'est bien vu par contre. Ça, j'ai juste envie de vous dire un gros GG en fait. Parce que le tapis de douche, il est quand même bien pensé. Mais même là, il n'y a pas de tapis de douche. Mais je suis où là? Je suis où, s'il vous plaît? Ah, tu vois? Tapis. Oh l'horreur. Oh le coach. Mais je fais comment, mec? En vrai, il y a une ambiance un peu... Il y a une ambiance un peu jungle, pas dégueu. Ambiance un peu jungle, qui n'est pas non plus... C'est un peu trop, mais... Ah, ça, c'est pas mal, ça. Ah, mais là, du coup, c'est moche. Ah, mais ils en ont déjà 3D comme ça, ils en ont déjà 3D comme ça, je peux pas. Non, je vais lui mettre ça, quoi. Je vais lui mettre ça. Ah, mais le tapis de douche, le but, c'est que ça serve devant, non? Moi, j'aime bien... Ah, mais là, tu vois, t'es vraiment... T'as une serpillière, quoi. T'as vraiment une serpillière, là, hein. Tapis rouge carreau, doux et moelleux. Ah, y a des poils. T'es mouillé, y a des poils, gros. Bon, ils se démerderont avec, hein. Tourne la douche. Pas con. Pas con, ce qui fait que tu peux quand même être dans une certaine intimité quand t'es aux toilettes. Je pense que c'est moche le tapis de douche. La vitre contre le mur. Non, non, mais je pense que ça c'est le mieux en vrai. Parce que là on voit à gauche, tu vois, donc la plante doit bouger. Non, non, en vrai je suis bien, en vrai je suis bien. Je vais rester comme ça, hein. Je vais rester comme ça et il me reste un peu de sous, mais j'ai pas non plus envie de surcharger. Je vais peut-être lui mettre un panier de linge sale quand même. Un truc un peu comme ça, une petite poube. Panier à linge rond. Bah oui, panier à linge. Boum. Et là alors, si on n'est pas bien là, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, il n'y a rien d'autre. Hein. Ça c'est vraiment pour habiller quoi. C'est pas mal hein, ce que j'ai fait. No joke, c'est pas mal, je trouve que c'est mignon. Je suis d'accord qu'au sol ça manque un peu. La ventouse, non, tout est là, tout est bon. C'est pas dégueu hein. Après on a peu de possibilités pour l'instant aussi. 100%. Je pense que là on est en dingue. Je pense que là, lui... Mais putain, ça c'est énervant. Il est content, t'es content. Voilà, t'es content. T'en penses quoi là de cet évier là? Voilà. La douche, c'est pas la bonne porte là, mais... Pff, c'est du 100% les gars. Ça je peux te dire, ça part à prix d'or. Ça je peux te dire que c'est un petit quoi, c'est un deux chambres ça. C'est un deux chambres, honnêtement, c'est un très très beau bien là. C'est un très beau bien, ça part. Cuisine noire, j'ai débloqué. J'ai 3 pods maintenant. Le commentaire. Regarde l'application. Et non, il est où le commentaire? Ah, commentaire, c'est là-haut. Voilà, c'est du 5 sur 5. Bonus 400 balles. Pas généreux quand même sur le bonus, mais... C'est du 5 étoiles partout. 5 étoiles partout. Ah là, c'est... Non, non, je pense que ceux qui ont du goût ont tout de suite reconnu quand même. Ils ont vu. Ok. Bon, moi maintenant, je peux installer le chauffage. Et du coup, je peux pas commencer la rénovation après? Il y a quoi? Il y a chauffage, électricité, ils vont me demander l'eau après. Ils vont me demander de rattacher l'eau. Ça va, ça va. Le roi de la salle de bain. Ah si, nous y voilà. Bon, ça va être à nous ça. Devons d'abord nettoyer cet endroit. Fais-moi entrer et commençons tout de suite. Tant que l'endroit n'est pas nettoyé. Commencez le nettoyage. Ok, stockage débloqué. Tu peux à présent stocker les objets réparés dans la nouvelle salle de stockage. Pff, mais quel plaisir. Allez, nettoie ça. Donc ça va être chez nous. Hein. Donc ensuite, on va trouver nos premiers locataires. Oh putain, moi j'ai envie que de ça, là. Je crois qu'il y a un choix pour savoir quel locataire tu prends. Tu peux tomber sur des mauvais payeurs et tout.
J'espère qu'on va avoir des petits CV, des petits trucs, des petites propositions, quoi, tu vois. Au moins, une petite lettre de motive. Une petite lettre de motive, voilà, qu'on sache un peu. Oh non, mais sinon... Boum. Ah, et donc, du coup, soit tu gardes le truc, soit tu l'ajoutes à l'objet de stockage, et ensuite tu... Ok. Bah, pour l'instant, je vais le garder comme ça. Pour l'instant, on verra. Tu es sûr de vouloir quitter les lieux? Oui. Le seul truc qui l'intéresse, c'est vraiment recruter un locataire, quoi. Sachant que le jeu s'appelle Les Locataires, ouais, c'est pas mal, c'est... En fait, ça fait partie des principes du jeu, quoi. Tout comme quand tu joues au jeu d'infiltration, c'est cool le moment où tu t'infiltres. C'est souvent ça, le, le truc en plus, tu vois, qui te met dedans. Commencer la rénovation, on y va. Alors, prépare-toi pour le rock and roll. Tu as désormais accès aux outils de rénovation te permettant de construire et démolir des murs. À utiliser avec modération. Pff, ça, je vais te péter, je vais te faire une cuisine ouverte. Petit espace pour les chiottes, là. Là, c'est petit espace pour les chiottes, ça. Sinon, je prolonge, claque, chiottes, douche. Ici, je pète. Là, je déplace ça. Coin cuisine ouvert. Canapé que je retourne, télé là. J'ai déjà tout. Comme tu peux le voir, t'as débloqué un nouvel... Oui, vas-y, on va démolir. Ça, je pète, ça, on veut de l'ouverture. Voyons voir si tu peux maintenant construire des murs ainsi que les démolir. Mais bien sûr que je peux les construire. Alors, je te disais, je fais ça. Pas mal, maintenant passons aux portes. Donc ça va être la... Ils vont pas avoir de chambre. Putain, c'est ça que j'ai oublié. Là, y a pas de chambre pour l'instant. Ah putain, du coup j'ai juste fait un KGB quoi. Non mais... Ah c'est vrai que ça va être chiant là quand même. Parce que là c'est... Là on va être dans un espace où va falloir... Oh c'est... Le baby-foot, je pense, va falloir le tège. On va voir après. J'en suis pas là encore. La porte, je la mets où? La porte, je vais la mettre là. Hein. Voilà. On dirait que tu connais les bases maintenant. À présent, il faut respecter la liste d'exigences. Souviens-toi qu'un intérieur bien conçu t'apportera des locataires plus aisés. Oh putain, c'est trop bien. Ok, qu'est-ce que je fais? Elle, ça y est, là, c'est... Je me démerde. J'ai de l'argent, j'ai 6000 balles. Salle de bain non trouvée. Mais ça, c'est la salle de bain. Ça, pour moi, c'était salle de bain chiotte, mais... Construire. Parce que sinon... Non, mais tu vois, je vais pas l'enfermer dans... Je vais pas l'enfermer là-dedans, là, de toute façon. Sinon, ça peut être la chambre. Ça, c'est la salle de bain chiotte. Est-ce que ça peut être la salle de bain? Non, c'est pas possible. Là, on est dans une situation de... d'insalubrité, là. Je vais devoir faire ça, quoi. Ah mais faut que là... Mais en fait j'ai... Relié la salle de bain à la chambre. Avec une porte. Tu vois, ça peut être sa chambre ça. Ça peut être sa chambre. Mais je sais pas à quel point ça peut être petit quoi. Rénovation. Ah merde, j'ai oublié de faire une porte. Pourtant c'est un 5 mètres carrés. Oui c'est vrai qu'on va pas non plus... Mais pas de chambre, c'est un studio. C'est un studio PA. Je démolis alors. Mais là, qu'est-ce qu'on va faire de cet espace-là? Cet espace, moi, il me gêne. Hein, il me gêne, cet espace-là. Pour pouvoir vraiment me projeter, là, tu vois. Allez, je le vends. J'ai vendu le baby-foot parce que je pense qu'on n'aura pas l'utilisation de ça. Bon, déjà, là, il nous faut une kitchenette, je pense. Non, déjà, il faut le sol et tout. Hein. La cuisine. Ouais, mais t'as envie d'avoir un truc ouvert, non? Ah, quoique, c'est vrai qu'ici, tu peux foutre la cuisinière. Hein. Ça peut être... Mais vous avez raison, vous êtes pas con, vous. Hein. Non, non, on va se mettre le coin cuisine. Vous êtes fort! Vous êtes fort là. Alors. Réfrigérateur. Salle commune. Je sais quoi, mais attends, faut, parce qu'il faut que ça soit bien quand même. Hein. Je mets une cuisine électrique quand même. Je la mets là, vous pensez? Mais là, ça va être terrible. Comment on va pas pouvoir mettre... Je vais pas pouvoir mettre... Je mets le frigo juste à côté? Non, ça, je vais le mettre là, tu vois. À l'entrée, toujours. Là, je fous le frigo juste à côté. Ça va pas être beau, hein. Réfrigérateur compact. Lavabo à côté. Oh, c'est... Mais putain, c'est fou! Quelle intelligence! Évier de cuisine. Lui, il est bleu, là, l'item. L'item bleu, je pense que c'est valeur sûre. Pas ouf, hein. On n'est pas en train de proposer une dinguerie, hein, quand même. Hein. Et là, le frigo, je vais le mettre où? Le frigo, ou est-ce que... En angle. Ouais, mais tu vois, on va avoir un problème, là. Enfin, quoi qu'il arrive, on va avoir un problème de type...
Le problème sera forcément quelque part, quoi. On va pouvoir faire en angle... Attendez, je vais réfléchir. Déjà, je vais faire le sol. Non, les murs. Les murs, comment je vais... Ça va avoir quelle gueule chez moi? Un peu... C'est petit, donc il faut contrebalancer. Pas trop grisâtre, mais pas non plus en pompélope, tu vois. Donc, ça. Ça, c'est dégueu, ça, par exemple. J'ai l'impression que tout est dégueu, en fait. Là, tout de suite, tu pars à la chasse en Angleterre, là. C'est pas possible, ça. Moi, je te dis, les murs blancs, honnêtement, c'est la vie, hein. Petit hôpital. Tu te mets mur blanc et ensuite, on va décorer. Ouais, c'est bon. Mur blanc partout, là. Ouais, on part des murs blancs. Le sol, je trouve pas mauvais, moi. Le sol, je trouve pas mal. Un petit parquet. Oh, c'est vrai que le petit parquet, là... Oh, vous êtes gourmand, mais... Il y a du parquet, on n'a pas de parquet encore. Hein. Bois clair. Pff, tu vois, on dirait qu'on a... Tu vois, c'est pas... Oh non, c'est pas beau. Hein. Le sol est cool, hein, je pense. Hein. Ah, c'est du béton. Ah, c'est vrai que le béton, c'est peut-être... Non, peut-être qu'ils vont avoir besoin quand même un minimum de... Ils vont avoir besoin de quelque chose, là. Pierre. Un peu de marbre. Ah, moi, j'aime bien le sol marbré. Hein, dans la... Je trouve que ça apporte quelque chose. Hein. Attention à l'argent. Il me reste 4000 balles. Blanc à 35. Blanc à 35, celui-là, là. Ça, c'est un calvaire, ça. Là, on est en tôle, là. C'est les douches de... Ah, ça, c'est vraiment... Quoique... Oh, en fait, j'ai l'impression qu'il n'y aura rien de beau. J'ai l'impression qu'il va y rien avoir de beau. Tu vois ce que je veux dire? Donc bon, je pense que ça passe. Hein. Je pense que ça passe. Je pense que tout va être un peu moche, donc du coup, on va devoir se démerder, quoi. Tu vois, ça va faire au moins un peu de couleur et ça contraste pas mal avec le blanc. Ce qui fait que ça nous donne une ambiance un peu crème, blanc sur les murs. Je pense que c'est pas si mal, tu vois. Celui à 20 donne quoi? À 20 balles, c'est où? J'en vois pas. Ah là? Bah tout est blanc quoi. Mais tout est blanc, ça va peut-être être trop blanc du coup, tu vois. Et on va être en mode, bon, on n'en peut plus quoi. On a envie quand même, tu sais, il y a deux fenêtres. Bon, il y a la question du frigo. Le frigo, où est-ce qu'on va se le foutre le frigo? Parce que là, je me suis fait un coin cuisine, mais le souci c'est que... Attends, mais sinon je te fous ça. Attends, je te fous ça comme ça, t'inquiète mon ref. Je suis trop con. Je suis abruti. J'allais concrètement mettre le frigo, genre... comme ça. Mais il va me falloir une chambre en vrai. Hein. Parce qu'en fait, il faut trois pièces. La salle commune, la chambre et la salle de bain. Vous m'avez dit studio et compagnie, mais en fait, il va falloir... En fait, je pense que ça va être naze. Ok, je rechange. Tout va bien se passer. Je contrôle la situation. Petit frigo, juste à côté du canap. Tu coco. Clac. Petit évier ici. Ok, je reprends ce stream en main. Excusez-moi. Construire. Boum. Clac. Hop. Vous dérangez pas pour moi. J'ai mis quoi, moi? J'ai mis du blanc cassé, là. C'est pas le même, non? Si. Si, c'est le même. Ok. Jette la porte. Bah, c'est un trou, quoi. Non, mais attends, mec, là, c'est le meilleur appart. Ici, petit salon, petit coin télé, petite chambre. Et c'est game. Mais c'est juste game. Évier dans le coin pour mettre le plan de travail collé aux plaques. Pas encore prévu un plan de travail, moi, mais c'est vrai que... Allez, on va les régaler, on va mettre un plan de travail. Allez, je remets un plan de travail, mais bon. Oh, la cuisine est sublime, quoi. No joke, la cuisine, c'est magnifique. Je suis en train de faire un truc, c'est magnifique, je m'en fous si j'ai plus de thunes. Là, les mecs qui viennent, par contre, il faut cracher hein, pour venir ici. Hein. Ah non, c'est pas... Ah là, on n'est pas dans l'appart miteux ou je sais pas quoi, là, on est sur quelque chose, hein. Table élégante. Une hotte dans la cuisine, oui, bah. Toujours plus.
C'est où la table basse là? Étagère murale. Oh, comment je le mets bien? Non mais donne la table murale là, enfin l'étagère. Que des bureaux. C'est où déjà? Putain, je n'apprends. Ça, j'apprends jamais ça. Je fais toujours les mêmes erreurs, je peux les faire 20 fois de suite moi. Je suis le spécialiste. Bande muscu au milieu, on est bon. Et je peux changer les couleurs, genre par exemple? Non, ça c'est rose et c'est rose à vie quoi. Allez, je te mets un écran plat, LCD. Écran mural, toute option au mur. Boum. Je te le mets au sol pour l'instant. Oh yo yo, mais c'est... en vrai c'est le... Parce que là il me reste plus que 2000 balles quand même. Hein. Attendez, venez, on se fait la douche. La douche, on se la fait en... douche rustique. Ah bah oui, d'accord. Ah c'est... ah c'est petit quand même là, hein, tout d'un coup. Ah, tout d'un coup, on n'a pas la place, là. Ah non, mais là, c'est la merde, là. Oh non! J'ai vendu pour genre... j'ai acheté 600, j'ai vendu 200. Oh, l'arnaque! Mais putain, tout à l'heure, ça... oh, vas-y, c'est bon, voilà, tu vois, on veut faire bien, on veut aider les gens, voilà comment on est récompensé. Allez, c'est bon, tiens. Tiens, la ventouse à chiottes, là. Je peux te dire que je passerai même pas dans cet appart. Hein. Ah, y a pas d'électricité, bah chais, mon pote. Ah ouais, non mais voilà, on veut être gentil, on veut être cool, et toujours. Y a 20 balles, mais c'est bien les dernières dépenses que je fais ici. Hein. Ah, juste à côté du chauffage, peut-être que ça va prendre feu. Tiens, allez hop, je suis gentil. Je te sauve la vie, quand même. Ah, j'ai plus de thunes, maintenant. Allez, tiens, la douche pigeon. Oh non, là, c'était... ah, c'était un peu écœurant, là, quand même, ce que j'ai subi, là. Mettre le chauffage là, comme ça. Ouais, je le mets là. J'ai plus que 1000 balles, on est foutu là. Il me faut un mini lavabo et c'est fini. Hein. Et il n'y aura rien de plus là. Hein. Chaque fois, il n'y a pas de lavabo. Ah si, pardon. Allez, petit lavabo. Attends, parce que là, il va ouvrir la porte. Allez, hop là, c'est bon. Il y a tout ce qu'il faut. Je te mets un lit ici. Un lit ici et c'est terminé là. 400 balles le lit, on est où? Non, non, lit simple. Non. Allez, le lit crocodile, là. Matelas de travers. Voilà, le lit simple, il est parfait. Ouais, il est super, t'es bien, t'as de l'espace, en plus. L'avantage, tu peux pas tomber du lit des deux côtés, quoi. C'est parfait, ça. Un lit, maybe. Voilà, ici c'est bien, comme ça il fait chaud l'hiver, là je te déplace, je te mets vraiment dans le coin. Non, en fait, moi j'ai tendance à coller les choses, alors que c'est vrai que c'est pas si mal si c'est pas collé. Comme ça tu peux te faire une petite tablée si jamais tu peux inviter 2-3 petits potes. Petite table de camping et... En vrai c'est archi propre. Je mets que deux chaises, il va pas me faire genre, il a assez de potes. Hein. Bah, je pense qu'on est max là. Hein. Putain, 50 balles, j'avais pas compris moi. La TV est au sol, c'est très bien. Hein. Mais après, au pire, il mettra des bouquins ou un truc, le gars. Je l'améliorerai peut-être au fur et à mesure. Tiens, on va lui mettre une petite plante, comme ça il nous fera pas. Tiens, juste à côté du générateur là. Histoire que tu te dises pas que quand même on est en train de te. Tiens, hop. Happiness. Happiness max, là. Là, le gars, tous les matins, il se réveille là, il arrive, il est... mais il est en bonheur, le gars. Et là, je te mets un petit tableau. Allez, je te mets un tableau, il me reste 300 balles. Allez, 300 balles, je te mets un dernier tableau, mais après... après, faut que j'arrête, j'ai plus rien. C'est pour dire, hein, quel point, le gars, j'ai tout donné pour lui, quoi. Tiens, je te mets même un petit réveil ici. Pff, putain, c'est pas possible, ça. Ah, ça me tuera. Ça me tuera de donner pour les autres. Allez, tiens, mais en plus, et je continue, paillasson. C'est quoi ça? Qui n'aime pas c'est le seul en rentrant. Eh, je te mets un petit paillasson à l'entrée, mais je continue. Je dis que je vais m'arrêter, je peux pas m'arrêter. Je donne. C'est trop beau, porte. Encadre. Ah, il n'y a aucune porte là. Porte à rideau. Ah oh, non, mais frère, je.
Oh, il va vivre sans porte. Hein. Porte en accordéon bleu océan. Ah, oh, l'ambiance spaghetti. Hein. C'est des barres de fer. C'est parfait. C'est parfait, on est bien. Bon, ok. Donc ça, c'est la... J'ai perdu de l'argent, là, non? Ok, c'est bon pour moi. Pièce, 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 cuisine. Quitter. J'ai tout investi là-dedans. L'appartement est prêt à être loué. Sélectionne la visite libre dans la liste des actions disponibles et commence. Putain, on va avoir des visites et tout. Les personnes intéressées par l'appart... Non mais attends, l'appart est magnifique, il est juste à côté de la fontaine. Parce que moi, quand j'ai acheté, il n'y avait pas encore le camp qui s'était installé en face de chez moi. Je suis désolé, je... Non, parce que voilà, enfin... On veut pas... Ah non, mais on veut... J'avais pas vu, c'est pour ça que vous disiez ça, vous. Ah oui, c'est... C'est vrai que... C'est vrai qu'il y a deux côtés de la rue, quoi. Hein. C'est... Ah bah nous, on attend l'effort du maire, là, mais... Ah ouais, là, c'est... Il y a vraiment le chef du camp qui a l'étage et tout, quoi. C'est... Oh putain, j'ai fait une dinguerie, j'ai tout investi dans l'appart qui sera jamais vendu, quoi. Commencer la visite libre. Flux de trésorerie, moins 1000 par mois, hein, pour l'instant. Prospectus. Alors, type de location. Bah, coloc, ça va être chaud, il n'y a pas assez. Hein. Après, on peut dormir sur le canapé, si jamais. La première publicité est gratuite. Quelques habitants du quartier devraient en entendre parler. Probable, passerait plus loin, là, ok. Vas-y, bah, on voit du prospectus. Hein. Oh, il y a quelqu'un. Première locataire potentielle soit arrivée, comme c'est excitant. Cliquez sur elle et essayez de négocier à ton avantage. Bon, je vais la bosser! Vérifier les antécédents. Oh putain, parce que ouais, on sait pas. Ouais, la chambre, elle a kiffé ou pas? T'en penses quoi de la chambre? Elle kiffe. C'est une gamer. C'est une femme, hein. Ouais, c'est une femme. C'est une gameuse, elle est employée de fast-food. Elle touche 80k l'année. Mais il s'appelle Bruce. La cam, c'est... Pire cam, PA. Ah putain, oui, en effet. Ah, vous vous régalez pas, là. Ça va, vous? Il est comment, le jeu, de votre côté? Moi, je vais aller négocier. Je vous dis à tout à l'heure. Après, c'est pas non plus... Wouah! Les infos de fou, je vous l'avais dit, quoi. C'est... Mais du coup... Oh, il y a peut-être un nouveau? Ah non. Ils ont pas de chaussures, ici. Elle a des chaussures, elle, au moins, ou pas? Elle a des chaussures. C'est un très bon premier point. Bruce, My City, score de l'appartement, très bien. Oh, la télé au sol. Wouah! Kiffé, c'est quand même une grosse télé. Négocier. Ok. Qu'est-ce qu'elle nous dit, du coup? Faire une offre. Putain, je... Durée du contrat de location. Score de l'appartement. Elle aime bien. 80 000 par an et elle vient là. Mais c'est vrai qu'elle brasse, hein. Prix du loyer sélectionné, 2600. Ah, quand même, hein. Je fais une offre à 3000. Relacam. Non, mais là, on n'y arrivera plus, là. On n'y arrivera plus. Je vous dis les choses, ok? Ah, mais ça, je pouvais le déplacer. Oh, mais putain. Attends, je me remets là. Je me remets là et je déplace les trucs. En fait, on peut tout déplacer. Moi, je déplaçais la cam. Vous auriez pu quand même l'imaginer aussi. Tort partagé ici. Tort partagé. Non, mais en fait, je pense que là, on est à San Francisco. Voilà. C'est, tout est cher, tout est machin. Alors, elle prend combien de temps, là? Pourquoi je peux pas cliquer? C'est que 30 jours? Négocie le meilleur loyer possible. Bah, c'est 3200 balles. Tu payes 32 000. Allez, 3200 balles. Je fais mon offre à 3200. Elle dit 2007. Elle dit 2007. Ah, oh, c'était pas si mal, 3002, hein. Donc, en gros, là, on voit le profit. Donc, je me ferai 2000 balles l'année, là. Oh, attends, 3002, je descends à 3100. Je sais presque, mais ça ne sera pas possible. Ah, c'est pas si mal. Je descends à 3100, mais honnêtement, allez, 3100 tout court, je suis déjà très gentil de descendre à 3100. Moi, je vous le dis, j'ai déjà eu quelques visites. J'ai un couple qui veut s'installer ici. Ils m'ont fait une offre à 3050. C'est de la merde, ça, comme proposition. Faut pas dire. Allez, 2988. Ah, mais elle gratte, elle. Bon, allez, 2005, allez, 3050, on n'en parle pas. Allez, 3050. Allez, 3060. 3060. Allez, c'est bon, on signe. Allez, hop. Elle revient plus. Presse, mais ça sera pas possible. Elle fait plus d'offres. Un couple dans un lit simple. Moi, bon, certes, j'ai déjà été pris en flag d'un jugement sur le pain au poivre, mais que vous jugiez les situations des gens comme ça, ça me... Enfin, bon. 3050. Impossible de faire de nouvelles offres. Mais elle est pas d'accord, là? Ah, mais en fait, c'est bon. Ah, je lui ai donné 10 balles. Allez, t'es ok, j'avais pas compris. Bon, bah, c'est bon. Bonjour. Bon, j'ai Cindy qui est... Comment ça va? J'essaie de pas trop vous déranger. A plus, Cindy Bruce. Putain, lourd.
Ah, j'ai mis des caméras chez elle en plus. Elle invite des potes là ? Contrat d'élite. Les contrats d'élite, ça, j'avais pas compris qu'elle avait accepté, sont des missions uniques qui te conduiront dans les demeures les plus grandioses de Wondersville. Elles contiennent un certain nombre d'objets uniques que tu ne pourras trouver nulle part ailleurs, sauf si tu aimes tricher et que tu en piques quelques-unes. Tu disposes d'un temps limité pour accepter ces offres, alors réagis vite si tu souhaites quelque chose de plus épicé. Ok. Mission, on va en avoir une. Contrat élite ? Pas de contrat élite. Hein. Gagner en réputation pour prouver que vous êtes un agent fiable. Non mais là, il y a du loubard dans le coin. Ça va, elle est heureuse quand même. Ok. Tu l'as que pendant 30 jours par contre. Ouais, c'est vrai que... Contrat d'élite, j'accepte. J'ai même pas vu, mais j'accepte. Ok. Ou on refait un yacht. Mais c'est... C'est quoi, c'est Jack Sparrow le mec ? Qu'est-ce qui se passe là ? Enfin, on est à quelle époque là ? 12 000 balles le budget. 5 jours, je dois nettoyer l'appartement. Bah je nettoie, on est parti. Mais je vais voler v'là les trucs. Allez, on est parti pour nettoyer. Restaurer. Donc en gros t'as des trucs où c'est un peu de la chatte si tu l'as ou pas. Voilà, nous c'est bien. Là c'est une chance sur deux là. Si on l'a, je le garde et je dis que c'est pété. Allez hop. Ah il a cassé. Il a cassé mais en même temps c'était un vieux siège. Hein. C'était un très très vieux siège. C'est pas de votre faute monsieur, c'est... Vous le saviez, on n'a pas pu. On a pu garder la table en plus, donc ça c'est beau. Le petit Nico, merci aussi pour les 5 subs. Bienvenue. Bienvenue à tous. Petit tonneau dans le futur appart. Bon. Ok, donc ça c'est réglé, c'est fait. Le Parisien qui confond yacht et péniche. Ouais, enfin bon, la péniche... Est-ce au coste la péniche, toi, hein, quand même hein. Non, qu'est-ce qu'elle me dit ? Mais non, jure, il y a des insectes. Croyez-le... Mais elle est sale, en fait. Elle va bien ? Oh, cool. Croyez-moi ou non, j'ai trouvé tout un tas de cafards dans l'appartement, trop bizarre. Non, j'ai vraiment besoin d'aide, ils ont l'air féroces. Bon, j'envoie l'oncle. Mais elle est sale. Qu'est-ce qu'il va faire, lui ? Je cherche dans l'appartement, je tente tes ordres. La meilleure solution pour se débarrasser de ces affreux insectes, c'est une bonne dose d'insecticide. Vas-y, hein, gros. Ah, c'est là. Boum. Ah, dans la salle de bain, là. Ils sont réfugiés dans la salle de bain. On les laisse pas, nous. Voilà, ça fait moins les malins, là. Il en reste encore ? Voilà, parfait. Merci de m'avoir aidé à résoudre. On nettoie un petit coup ou pas ? Non, c'est bon ? Merci de m'avoir aidé. Parfait. Si tu veux, je peux te faire une offre pour les prochains mois, mais bon. Ouais, même bien, du coup. Mission de babysitting débloquée. C'est-à-dire, c'était pas... Stockage. J'ai trouvé un truc à 700 balles. Hein. J'ai un truc à 700 balles, quand même. Attendez, parce que là, j'étais en train de rénover un gros truc, là. La péniche yacht. Ok, mais ça, tu m'as déjà dit. Super. Commencer la rénovation. C'est Karen. C'est une Karen. Qu'est-ce que je dois faire ? Une chaise de... Non, mais là, c'est... Genre, j'ai pas ce genre de truc. Je dois avoir des décorations de bateau, des cartes au trésor, sol posé. Non, mais attends, mais qu'est-ce que j'en peux ? Moi, je sais pas quoi faire, là. Sol. Sol, je dois faire du plancher. Plancher, elle est un peu luxe. Il y a 12 000 balles. Voilà, très bien ça. Ça lui aura très bien. Et les murs, elle veut les faire en marron. Oh l'angoisse. Oh l'angoisse. Tu vois, pour chaque mission, tu peux cliquer sur les noms à droite. Oh putain, la folie. Oh la folie, tu peux cliquer sur tout. Oh, je me faisais chier depuis le début. Oh la folie. Trop bien. Ah, mais du coup, la chaise que j'ai volée, je vais devoir la remettre. Attendez, déjà, faut faire la peinture là. Vous en prenez... Ah mais ça c'est pas du tout ambiance bateau là. Pas si mal ça. Hein. Pas si mal je trouve ça là moi. C'est une ambiance, j'aime bien. J'aime bien. C'est parti. Bon siège du capitaine moi. Du coup je suis obligé d'avoir le siège du capitaine quoi. Je le mets là, le siège du capitaine. Le tourne-disque. Parce que j'ai 11 000 balles. Le mur de la porte. Ah merde, bien vu. Très bien vu. Ah, c'est chum. C'est chum à la mort, ça. Ah, c'est moche aussi. Ah putain, c'est moche. Allez, bon, on restera comme ça. Hein. Ah, c'est moche, mais c'est pas grave. Tout va bien. Bon, porte-bouteille. Mais c'est quoi cette pièce là ? Décoration murale, petite déco. Une carte au trésor.
Je te mets une giga carte au trésor. Oh non, la carte au trésor ici, sur le bureau. Oh ouais, sur le bureau, il faut grave des trucs. Boum, ici une carte au trésor. Un baril. Ah mais putain, mais c'est qui ces gens là? Qu'est-ce qu'ils foutent là? Partent en mission, ils... ils nous font. Je te mets un petit baril dans le coin là. Ok, parfait, pourquoi pas. Horloge. Une horloge bien à l'ancienne là. Dong. Attends, ça, je te vais le déplacer. Je vais te le déplacer là parce qu'il faut quand même qu'elle puisse rentrer. Hop, je te mets l'horloge ici là, milieu de pièce. Ils organisent des jeux dans... Non mais là je suis en train de faire le studio là pour le prochain tournage de... d'Alpha là. Là, ici les petites boutes là. Ah les bouteilles, je te le mets juste à côté de l'horloge. Ambiance un peu pas mal là. Pas mal ça. Le siège en face du bureau, bah en fait... Ah bah si d'accord, il peut en fait s'installer, je suis bête. On verra si on rajoute pas un truc ici, décoration de bateau. Attends, ça, je vais te mettre ça ici. En fait, faut qu'il y ait des, faut qu'on ait des bonnes notes, donc une petite bougie. Bon, y a déjà plein de bougies, là. Oh, la bougie sur le tonneau. Parfait. Pour foutre le feu, là, c'est génial. Compas. Faut pas non plus trop charger, tu vois. En vrai, je pense que le mieux, c'est ça. Vous allez me dire tout de suite, mais... Je pense que le mieux, c'est vraiment ça. Tu vois. Il y a un compas déjà là ou pas? C'est quoi ça? Ah c'est une boussole. Je te fous le compas aussi. Ok parfait. Bon là on a mis tout ce qu'il fallait là. Un tourne-disque. Est-ce que ça, ça devait aller sur... Ok il me faut un petit coin salon, ouais vous avez raison. Il nous reste 8000 balles de budget. Mobilier, le souci c'est qu'en fait c'est quand même des mobiliers un peu d'époque quoi. Décoration murale, décoration de bas, tu vois genre ils vont... En fait ils ont que des petits trucs. Ça c'est pas mal ça. Oh là là, là on l'a. Oh je vais te mettre, attends je vais te mettre un truc là. Je sais pas encore quoi mais il arrive. Baril, ça on a vu, horloge, ça c'est un peu à l'ancienne. Chaise du capitaine, ça on a. L'autre pièce, non on n'a pas l'autre pièce à faire je crois. Tu vois, on a que cette pièce à faire. On est à 77% de décoration, donc c'est déjà pas mal. Il nous faut un peu une ambiance, t'es genre salon, un peu... Pff, t'es bien. Mais tu vois, c'est hyper... table basse régulière, mais là, c'est des tout petits trucs, quoi. Il nous faut limite une... C'est la quoi, en fait, ici? C'est la cabine du capitaine, tu vois. Donc, en fait, il va peut-être recevoir des gens. Le capi. Le capi, s'il reçoit des gens. Petite table basse. Au calme. Petit... Boum, décoration de bateau. Ici. Une petite longue vue. Non mais la longue vue elle est pas simple à... Oh là là, l'idée du siècle, à côté des tonneaux, on a... Oh là là! Oh j'y vais là! Non il me fallait une table haute. Putain il me fallait une table haute en fait. Un tabouret de bar. Ah non je suis pas dedans en fait. Ah je suis pas dedans, il me fallait une table haute. Un bureau, non il me faut pas un... Non il me faut une table haute. Table basse, c'est chum, c'est moche en fait tout ça. Là. On veut pas de leur truc là, non. Donnez-moi une table haute. Un piano? Ah, le piano, non, ça va être contre-productif là. Ah, ça mêle les époques là. Non, moi je vais me refoutre un tonneau en fait. Ah, mais le tonneau est monstrueux quoi. C'est aussi ça le problème là, c'est que le tonneau il est. Là, le tonneau, il est vraiment... C'est plus un tonneau, le bordel, là. C'est... Je peux pas en faire de ça, moi. C'est une cuve. Ah ouais, là, c'est... C'est moche, hein. Ah là, je le sens que je suis dans quelque chose de moche, là. Tout est compact, tout est chargé à mourir là. Là il y a la petite cave. Le baril est à l'envers. Ah ouais? Ouais c'est à peu près... Ouais ça va. Tourne-disque sur le baril. Je sais pas si... Non quand ils disent jaune tu peux pas. Ah oui au lieu de la bougie de merde là.
Oui, monsieur. Du coup, c'est ça qui est un peu en trop, je trouve, non? Mais ça, je sais pas où le mettre pour que ça rentre bien, tu vois. Peut-être du coup... C'est si random. Il te reste un jour. Déco murale. Ah ouais, la déco murale. Merde, je peux pas cliquer. Décoration de bateau. Mais c'est où la déco... Non mais en fait, la déco murale, c'est forcément dégueulasse. C'est genre des stores. C'est... Pour l'instant, j'ai rien débloqué, donc... Tu sais, je veux pas mettre un petit work hard, play hard dans le truc du capitaine, quoi. Petite décoration. Tu vois, c'est pas l'ambiance, quoi. On peut mettre un globe, alors que bon, tu sais, c'est pas du tout la map monde. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal, ça. Là, il y a quelque chose, là. Vinyle, on va pas mettre un vinyle. Des plantes, la carte. Ah mais tu vois, ça fait trop récent. Ça fait trop Moi j'ai mis ça déjà. Mais là du coup la table, on sait pas ce qu'on en fout quoi. Bon ça va comme ça, vous en pensez quoi? C'est un peu chum. Je suis d'accord que c'est un peu chum. Il y a peut-être une carte au trésor, c'est vrai qu'il y avait pas une carte au trésor, un truc comme ça là. C'est un peu chum mais bon on va... Mais là, c'est hyper vide ici. Et un petit tabouret, on est bon. Je pense qu'on est bon là. Clique sur l'étoile. Sur l'étoile. C'est cliché. Ah ouais, mais bon, là, on est. Non, c'est pas mal, hein. T'auras pas le bonus, merde. Tu vois, la chaise, elle fait trop. Ah, je te mets un petit tabouret. Tu vois, je te mets vraiment un petit tabouret de loubard de. Juste, tu vois, tu vas juste... Non, oh là, le choke. Le petit tabouret, là, j'en fais trop, là. Là ça y est, c'est parti, j'en... Attends, on va... Déjà, c'est comme ça. Le mieux est l'ennemi du bien. Allez, c'est bon, stop. 98%. Allez, on se rajoute quand même un petit dernier truc. On a envie d'être à 100, là. On a envie d'être à 100. Ah, une deuxième bougie. Ah, c'est pour nous. Ah, les deux bougies, c'est pour nous. Ah, c'est trop, on le sait. Petite cloche ici. C'est beaucoup trop. J'ai niqué la game. Là, la cloche nous a niqué la game, là. Allez, la cloche, allez, c'est bon. Stop. Termine la mission, on est à 100%. Oh, le capitaine. Oh, il kiffe bien, le capitaine. Merde. Ouais, un petit fût, ça, il kiffe bien, il a le perroquet. Ah, il kiffe, il est dans le total cliché, lui. Il est dans le cliché intense. Ah, non, il a pas kiffé. Petit, bah, peut-être, je me disais que de là, tu pouvais juste changer la musique, quoi. Pour 10 secondes, c'était bon. Oh, bah, frère, enfin, c'est quoi ce capitaine, là? Eh oh. Ah, voilà! Mets-moi 4 étoiles, hein! Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah, trop bien, j'ai débloqué ça. Fauteuil Crimson. Il a mis quoi comme commentaire? Il a mis 5 étoiles. 5000 balles, j'ai pris! Tu commences à accumuler les factures impayées. Merde, j'ai des factures. Cindy, j'ai 6 prochains paiements dans 6 jours. Ok, je peux lui dire quand elle me doit de l'argent, ok. Là, j'ai 500 balles, vas-y, je paye tout d'un coup. Ok, on a de l'argent. Publicité dans le journal débloqué. De nouvelles options de publicité sont disponibles. Mais c'est quand que j'achète un bien? Je peux acheter quand un bien, moi? Clique sur l'option de rappel et choisis la... Ah, pour le rappel des factures, je sais pas, moi, c'est où le rappel Boring Lane, donc ça, c'est moi, ça. Carte de la ville, très bien. C'est où le rappel? Je suis débile ou... Attends. C'est dans gérer? Ah, gérer, ok. Rappeler poliment. Bien, maintenant, attendons de voir comment il réagit. Durée de contrat. Ah, et là, j'ai débloqué les 2 mois de contrat. Ok. Ah, on va envoyer un petit texto. Là, j'ai eu 5 sur 15. Ah, ouais, mais il faut charbon, en fait. Hein. Non, mais là, vas-y, on part juste pour.
Je suis vraiment désolé, je viens juste de vous l'envoyer. Ah, pas de souci. Ça m'est arrivé récemment aussi. J'ai oublié de payer le plombier, ça y est, je l'ai payé. Trop gentil, il y a aucun souci, mec, en fait. Ah, et du coup, je l'ai quand même, ce truc. Donc, je lui ai volé quand même. Ah, pas mal. Donc, on se fait 600 balles là-dessus. Ok, j'ai vu qu'il y avait une petite annonce qui avait l'air très sympa, qui change un peu aussi. C'était de trouver. J'ai besoin de quelqu'un qui trouvera pour moi le parfait locataire. Pas de casier judiciaire, non assistant. C'est parfait, c'est pour moi ça. Je te le trouve direct. On va faire un casting. Let's go. Ah, c'est bien ça, si ça change. Alors, bonjour. Attendez, excusez-moi. Oui. Bonjour, madame. Alors, parler aux invités pour négocier. Non assistant social, quelqu'un entre 29 et 57 ans, location précédente, minimum une. Bonjour. Caméra suivante. Oh, c'est très intimiste quand même. Hein. Voire un peu border au passage, mais... T'as pas kiffé ? En cours de réflexion. Eh, bande muscu, y a tout, hein. Elle réfléchit. Vous êtes là, y a un problème avec le disjoncteur. Ah, tu m'emmerdes aussi ! Bon, allez, vas-y, tiens, j'envoie le professionnel, là. Quoi, pourquoi l'autre est vomi, là ? Bon, elle est à peu près partante. L'autre a dit quoi ? 85 000 balles, là ça gagne 92 000. Hein. Athlète, serveur, il y a quelqu'un là qui est dans le... Je pense que je vais négocier avec elle. Hein. Je vais négocier avec elle. Parler aux invités, temps restant, location possible c'est 1. Idéalement... Putain, j'aurais peut-être dû me renseigner sur les antécédents parce qu'il fallait minimum... J'aurais pu... Pas de caddie... Vas-y, je me renseigne sur tout. Putain, merde. J'aurais dû checker, je peux plus là. Si je peux. Je vérifie l'historique. 100 balles. Et je vérifie l'antécédent aussi. Victoria. Alors, adresse, excellent. Ok, donc c'est deux anciens... C'est les deux endroits où elle était. Elle a été très bien reçue. Pas de casier judiciaire, dette zéro. Allez, je la prends direct. L'autre, elle est... Gameuse, 85 000 balles. Score de l'appartement, très mauvais, exceptionnel. Bah, elle aime l'appart en plus. Ah bah, Rose, elle aimait l'appart, mais je suis pas resté assez longtemps. 79 000, influenceuse, on veut pas de ça. On veut pas de ça, je peux te dire. Les apparts dégueulasses, là. On est propre en story, mais derrière les stories, qu'est-ce qui se cache ? C'est une enquête. De pas biseau. Allez, je te mets 60 jours. Je te mets 60 jours à 3800 balles. T'en dis quoi ? 2002. Pff, en même temps, attends, il y a tout pour toi. Il y a tout pour toi. Fais attention, il y a tout le monde qui est intéressé. Hein. Tout le monde est intéressé et tu me fais ça. Allez, je descends à 3000, mais je vais avoir beaucoup de mal à descendre plus bas. C'est le pire accord au monde. Je te trouve dur, déjà. Allez, 3010. 3010, monte à 2008. Elle est d'accord. Let's go. On fait 2000 balles de bénéf. Tu vérifies pas les... Non, mais c'est elle. J'ai un nouveau locataire. Enfin, c'est même pas moi. Hein. Moi, j'étais juste intermédiaire là-dessus. Hein. Boum. Attendre l'avis du client. Et là, donc, le client, on lui a choisi un locataire. On va voir si elle est contente. Ça, c'est pas mal à faire. Ça change un peu. Et de toute façon, j'ai rien rénové là. Ah, elle est déjà dedans. Bah, elle est parfaite cette. On a vérifié. C'était même pas la fille que t'as vérifié. Si, c'était elle. C'était elle. Quelles sont ces calomnies là ? Renégocier de 800, t'es cool avec. Je n'en ai pas cru mes yeux. Quel que soit l'état des lieux, PA trouvera un acheteur. Arrête, Dono. Oh, t'es con, Dono. T'es con, putain. C'est pas croyable, toi. Hein. À faire du bise avec. Oh, je peux acheter ici là ? 120, mais 120 000 balles, attends, je dois faire des missions jusqu'à 120 000 balles, là ? Terrain de basket, c'est un 21 mètres carrés. Ah, c'est proche du basket, proche de la station de bus, de métro. En plus, à ce qui paraît, ils sont en train d'ouvrir des petits commerces juste à côté. Ça m'étonnerait pas que ça vaille 150-200 000 d'ici quelques années. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire, là. Il n'en loupe pas une, celui-là. Mission. Moi, j'ai... Oh, agent, j'ai un voyage d'affaires très important, j'ai besoin de quelqu'un pour surveiller mes locataires. Mais moi, je veux faire ce genre de mission, vas-y. Salut Père, on m'a dit que vous étiez en charge maintenant. Je suis un peu sceptique, mais bon, c'est la vie. A plus. Aiden Romero. Je dois faire quoi, du coup ? Faire attention aux besoins du locataire. Ok. Enfin, dans certaines limites, quand même. Hein. Assistant social, athlète. Et du coup, là, je suis son babysitter, là. Là, il est pas heureux. Qu'est-ce que je peux faire pour... Oula, j'ai... Bonjour. Ah, petit shaker. Ça se réveille en douceur. Boum. Trois gorgées, plus rien dans le frigo. Ça sent pas bon, ça. 4,84, merci pour le prime, poto. Merci pour les resubs aussi. Regarde les besoins. Qu'est-ce qu'il fait là ? Il part en squat ? Ah non, salutations au soleil, elle est belle. Elle est belle, rien à dire là-dessus, c'est clean.
Attends, mais... Besoin, fin, divertissement. Mais moi, je vais pas pouvoir le... Tu vois ? Moi, je vais pas pouvoir le divertir. J'ai rien à... Qu'est-ce que... Je comprends pas ce que je dois faire. Je vais me mettre en x2. Je... Bonheur actuel, mécontent. Bah... Ok. Créativité, extravagant. Oh là là. Oh là là. Oh là, c'est pour moi, ça. T'inquiète, t'inquiète, je suis là. J'envoie mon oncle immédiatement. Boum. Il y a mon oncle qui est déjà là. Il arrive, clac, hop, réparé. 83% de chance. La chatte. Tout va bien, normalement, c'est le début du jeu. Voilà, mais putain. Heureusement, le type a réussi à le réparer. Ce type, c'est mon oncle, mon gars. Hop, je quitte les lieux. Il est de retour. Je dois faire ça combien de temps avec lui, là? Parce que... 6 jours! Ça va être long, hein. On va se mettre en x2, parce que... Ah, mais là, en fait, je pourrais gérer du bise à côté, en fait. Là, c'est juste du fond de roulement. Moi, je pense à lui, mais en fait, je suis déjà sur un autre DOS, normalement. Je suis déjà dans une autre rénovation, là. Mais ouais, mais moi, je suis con, moi. Loyer, mes locataires sont bruyants, me donnent mal à la tête, je cherche quelqu'un pour m'occuper. Mais vas-y, envoie, envoie, je gère, moi, je gère, je suis en multitask. Jenna, t'as besoin de quoi? Bonjour, oula. J'ai une petite demande à vous demander. Je suis à court d'argent ce mois-ci. Est-ce que je peux vous payer seulement la moitié du loyer? Attends, pause. Excuse-moi. Tu prends un mois de loyer chez moi. Et ce mois-ci, tu peux pas me payer. Qu'est-ce que tu me fais, Cindy, là? Elle est où, Cindy, là? C'est où, là? En face du bidonville, c'est où, déjà? Là, il y a le bidonville. Si vous savez pas où est l'appartement, prenez le... Suivez le bidonville, voilà. Comment ça, on n'a pas de thunes, là? Qu'est-ce qu'on fait chez moi, là? On est en train de manger quoi, là? Relation, ok. 80 000 balles, fin, vessie. Déménagé il y a 2 semaines. Toujours en dette, elle. Eh, va prendre un prêt, va prendre un prêt, c'est bon. Prends un prêt. Eh, c'est non, c'est non. Si c'est ce que vous voulez. Ouais, c'est ce que je veux, ouais. Elle est sous notre gueule, elle. Tu me dis pas que sur un mois, tu peux pas payer. C'est comme si t'arrives au Airbnb et t'es en mode, bah j'ai pas l'argent. T'es en mode, bah frérot, je te donne pas les clés du coup. Ah non, 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 pas de ça ici. Hein. Moi je veux bien, attendez, parce qu'il y a quelqu'un d'autre là. Besoin du locataire, c'est qui celle-là là? C'est Jenna? Je suis en charge de toi, je suis un peu sceptique, mais c'est la vie. Oula Jenna, bonjour. Que faites-vous Jenna? Jenna, très malheureuse, les gens sont malheureux. Hein. Barman, ok. La plus-value est assez limitée de l'adresse mail quand même, hein, j'ai l'impression. Elle paye toutes les semaines, pas tous les mois. Ah du coup, c'est une mauvaise traduction? Sur 2 semaines, cafard, facture impayée. Ah, elle est en pleine séance de pouce, là? Ok, je la laisse. Le petit Nico qui réoffre 5 subs, merci beaucoup. J'ai un problème de tuyauterie qui fuit, un truc comme ça. L'eau fuit dans tous les sens, vous pouvez faire quelque chose. Putain, ils vont nous emmerder quand même. Hein. Je sens qu'il faut pas le faire trop régulièrement, ce truc. C'est-à-dire... Ah oui, il est en train de crever, le gars. Bah, j'envoie un professionnel, du coup. J'ai oublié de payer, quoi. Et là, maintenant, il m'apprécie. Ah ouais, mais... Ok, il y a un professionnel qui va débarquer. Ok, je vais me faire une petite rénovation pendant ce temps. On est juste en train de se noyer, le mec, ouais. Je cherche quelqu'un pour organiser une visite libre dans mes appartements. Off non sérieux, s'abstenir. Non employé de fast-food. On s'en refait un petit dernier? Juste histoire de coffrer, là? Allez, on coffre un peu, on coffre un peu. Maximum de missions en cours. Oh, c'est 2 missions max! Oh. Gestion de la dette, 700 balles. Achetez-vous une écharpe, arrêtez de vous plaindre. Oh, mais je lui envoie un professionnel, mais je l'aimais bien eux. Hein. Je viens de vous envoyer tout l'argent que je vous devais, désolé pour le retard. Ah, elle est cool quand même. Merci, je peux vivre dans l'appartement sans porter d'écharpe. Bon. En vrai, je l'aimais max. Hein. Et c'est pour me faire une bonne réputation aussi. Comme ça, après, ça va tourner tout seul. T'as dit, ouais, de toute façon, c'est vrai que j'ai du budget. Faut juste faire attention à pas trop dépenser, quoi. Ah, mais en fait, vous voyez rien, excusez-moi. Ouais, en même temps, vous voyez là, il reste 2 jours, en gros, juste en dessous de celui-là. Là. Ok, moi je vais te payer mes dettes, ça va être bien. Hein? Oh merde, ça a dû la stresser. J'envoie mon oncle. Mon petit chat a vomi. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est de la merde sa télé à lui là. C'est partout les problèmes en fait. Nickel, le mec il sait ce qu'il fait. Mais oui mon pote, tout va bien, tout va bien. Message. Ok, parfait. Coup de stress, ouais, je pense que ça lui a fait peur, le... C'est quoi, ça? Pourquoi il a poil, lui? Ça lui a fait peur, là, le veto. Écoutez, j'ai un problème avec un tuyau. Oh, bon, il y a encore du budget, mais ça...
Ok, très bien. Zéro jour. Du coup, je prends combien pour ça? Je prends 2000 balles. Et tu prends des objets aussi. Hein. Et ça y est, j'ai mon agent là. Donc là, j'ai réalisé des missions de babysitting. Ah, oh, pile le moment où j'ai... Juste avant que je level up. Ok, on a des nouvelles tasses et tout. En fait, j'ai juste peur que le jeu, t'es... du coup, c'est au fur et à mesure. Mais que t'aies les trucs très bien dans très longtemps, quoi. Là, on est niveau 8. Mission terminée, notre moyenne 4,4. Pff, c'est beau, c'est beau. Ah, j'ai un nouveau commentaire. 5 étoiles à nouveau. Non, mais il n'y a pas mieux sur le marché, là. Là, faut se le dire, il n'y a pas mieux. Est-ce que quelqu'un veut... Ah, voilà. Mes locataires sont brouillons, ils me donnent mal à la tête. Je cherche quelqu'un pour m'aider à m'occuper d'eux. Bah, je vais accepter ça. On m'a dit que vous étiez en charge, je suis sceptique. Hop. Parce que juste, je dois faire avancer la quête, en fait. Je devrais en avoir 3. Donc lui, il va être un peu chiant. Mais bon, c'est la vie. Et à côté, je vais faire une petite mission pour trouver un locataire. Ok. Attendre l'avis du client. Parfait, ça c'est bon normalement. Le contrat de location se termine bientôt, je te suggère d'essayer de négocier une prolongation de contrat de plusieurs mois, mais c'est à toi de décider, c'est toi le patron. Oh putain, il y a trop de trucs là. Je m'enflamme. Nouvel avis, c'est 5 étoiles aussi. Eh, on rentre là, mais ça brasse là. C'est là, ça brasse là. Alors attends, parce qu'il faut que j'aille chez moi, moi. Faut que je lui parle là. On est où chez moi là? C'est où chez moi? Comment elle va? Comment elle s'appelle déjà? Je me souviens plus de son prénom. En même temps là, ah, voilà. Elle est là. Négocier la prolongation de contrat. Négocier le meilleur loyer possible. Son bonheur et ses relations se augmentent. Hein. Mais après, elle paye pas trop. Hein. Cindy, elle s'appelle. C'est vrai qu'elle paye pas trop, mais... Non, mais normalement, elle va avoir de l'argent, là. Rénovation impossible. Tu vois, elle se fait de l'argent, elle. Elle gagne de l'argent. Avec l'appart? Ah putain, mais on a grave des infos, en fait, sur elle, maintenant. Ameublement incroyable, hein, l'ameublement. Elle est neutre. Moi, je pense que 3000, je monte à 3100. Pour augmenter un peu plus. Elle a pris un prêt, maintenant. 2500. Ah non. 3000. Je vais pas accepter beaucoup plus bas. Hein. C'est comme avant là, c'est 3000 balles ou rien moi. 2884, 3000. 2600, fin de contrat. Ah Cindy, j'ai pas le temps moi hein. Eh, ça fait ses affaires et ça dégage là. Hop là. Nettoyer, ranger comme t'as trouvé l'appart. Hop, ça dégage, je dois faire des visites là. Contrat d'élite, j'ai pas le temps. L'argent c'est bien mais attendez merde, je dois gérer un appart. Il faut faire quoi là pour l'appart? Quelqu'un entre 37 et 44 ans, t'as pas l'âge? 28 ans? Personne à l'âge là. Hein. Personne à l'âge les gars là, ils veulent quoi? C'est tout? Location possible, gamme de l'offre 140%, nombre d'invités actuels... Ils aiment pas l'appart en plus. Elle je pourrais lui donner quand même. Je pourrais lui donner elle. Négocier avec elle. Et moi, est-ce que je me fais de l'argent sur le profit ou pas? Ça, je comprends pas. Ils avaient. En fait, il y a 1300. En fait, je suis con parce qu'il y a 1300 balles de. Mais elle est alcoolique, ouais. Très bon. Après, elle a le droit d'essayer de s'en sortir aussi. Hein. Plus les antécédents. Bah, c'est cassé de toute façon. Petite faveur à demander, Cindy. Je suis à court d'argent ce mois-ci. Mais je t'ai viré! Mais je t'ai viré! Ah non, mais en fait, c'est parce que c'est la fin. On va faire un... Mais je l'ai viré, non? Je comprends plus, moi. 33 ans. Elle est parfaite, elle. Ah non, c'est 37 ans, idéalement. 45 ans! Super, ça! Ah, mais elle aime pas l'appart. Non, mais l'alcoolique bouchère, on peut pas. Non, faut laisser tourner, je pense. Merci pour rien, connard. Merci pour rien, connard. C'est comme ça que tu me traites, Cindy? C'est comme ça que tu me traites alors que je t'ai logé et elle m'a mis des rats. Elle m'a mis des rats, la gueuse. Ah non, ça, c'est une autre, ça. Elle m'a mis des rats, l'autre. Hein. Il y a plein de rats dans mon appartement, c'est infernal. J'envoie l'oncle, j'envoie la... Vas-y, attends, parce que là, l'oncle... L'autre, elle m'a insulté, mais... C'est terrible. Hein.
Allez, on sait qu'il y en a une sous le lit là. Et elle. Allez, retourne d'île. Hein. Allez. Ah, c'est bon, c'est bon. Parfait, merci de m'avoir aidé. Il n'y a aucun souci, c'est mon taf. Hein. C'est mon taf. Ah non, mais Cindy. Cindy, j'ai pas du tout apprécié. Hein. Ce manque de respect. Je suis peut-être pas parfait à chaque fois, mais j'essaye au moins. Alors, ok, faire attention aux besoins des locataires. Alors, ça, c'est justement. Donc là, je dois trouver. Je dois trouver quelqu'un qui irait bien. 40 ans. Elle adore. Super. Je vérifie les historiques. Reste là, reste là. Alors, pas de casier judiciaire. Elle a 863 000 balles de dette. L'influenceuse, là. Hein ? L'influenceuse ! Alors, on a cru que vivre à Dubaï, ça allait résoudre tous les soucis ? Merci pour rien, connard, mais je vais la bloquer. Hein. Ça s'est bien passé, mais... Oh non ! Oh nounouille ! Attendez, excusez-moi, j'arrive là, parce que... C'est pas l'influenceuse qui va m'emmerder, là. Mon petit chat ! Pourquoi tu vomis ? Pas mal en vomi. Mon chat est en train de gerber partout, du coup c'est l'ambiance ici. Un sacré coup de stress. Hein. Ah, chez le veto, c'est pas simple. Oh là là, pourquoi il y a un truc qui est en feu là? Qu'est-ce qui se passe qui est en feu encore ici? Bon, chaque chose en son temps. J'envoie un professionnel. Ok. Ici tout s'est bien passé. Ok. Plaisir. Ouais. Là il reste un jour. Là il faut. Non mais donc du coup l'autre là. C'est ça, hein, c'est elle, hein, l'influenceur barman, là. Barman, pardon. Moins 860 000. Eh, je vous demande de partir, s'il vous plaît. Oui. Elle a 45 ans. Mais elle aime pas l'appart. Bah, pars. Barre-toi, putain. Elle a 33 ans. Elle aime bien l'appart. Elle aime bien l'appart. Je vais prendre des infos sur elle en plus. Mais je pense que ça peut le faire, elle. Hein. Même si elle a que 33 ans. Oh, il y a elle qui vient d'arriver à 41 ans aussi, là. Très bon, très bon. Moins 1 million. Mais c'est qui ces gens? Notre joke, c'est quoi? C'est... Qu'est-ce que... Moins 1 million? Mais on est où là? Moins 1 million? Mais tu fais quoi à moins 1 million? Par... Mais comment t'as à moins 1 million? Une nouvelle personne, 50 ans. C'est pas exactement l'âge voulu, mais... Bon, elle se casse. Bon, on n'a pas trouvé. Oh, j'ai pas trouvé. Oh, ils vont me niquer. J'ai réussi l'autre mission, mais ils vont me niquer. C'était un cauchemar de vivre ici, adieu. Casse-toi. Très très mauvaise relation avec Cindy. Hein. Cindy va me mettre une sale note. Les enfants qui tiennent des stands de limonade sont plus expérimentés que cet agent. Et c'est, je prends des commentaires négatifs, là. C'est Cindy, ça. C'est Cindy, là, qui m'a mis dans de la merde, là. Ah non, mais par contre, mon appart est du coup plus payé. Et je perds 1000 balles par mois. Ok, objectif numéro 1. Oh, 175 000, ça. Pff. Pas possible, ça arrive. Pas possible. Le bidonville, suivez le bidonville. Vous trouvez l'appart. Ok. Bah, je vais commencer la visite libre. Hein. Petite visite libre. 100 balles, je vais payer 100 balles. Ah, des gens. Alors déjà, on va se concentrer sur nous. Bah, déjà, je vais attendre un peu de voir si ça leur plaît ou pas, tu vois. Lui, il est serveur, il gagne 91 000, il a 53 ans. Il s'est séparé de sa femme il y a 2 ans, le confinement, ils en pouvaient plus. Ils se sont rendus compte au final qu'ils n'avaient pas eu tous les mêmes centres d'intérêt, rien à se dire, etc. Du coup, bah, Francis, il a décidé de chercher un nouvel appart. Ah, Esme. Peut-être une rencontre aussi. Hein. Francis. Insatisfaisant. Hop, casse-toi. Insatisfaisant. Hop, casse-toi. Bonjour Kira. Kira, influenceur, assistant social. Insatisfaisant. Il a chié mon appart ou... Si quelqu'un a un problème, faut me le dire tout de suite. Hein. 120 000 balles, il se fait, lui.
Influenceur cuisinier, là. Tout le monde est influenceur, hein, c'est-à-dire que... Ah, mais ils aiment pas mon appart. Je négocie quand même. Je te propose 2400 balles. 2100. Par. Oh, mais l'appart est claqué, en fait. Oh, mais ça va, arrêtez de cracher dessus. C'est bon, partez si vous aimez pas. Oh. Il va pas aimer non plus, lui. 180 000 gangsters. Ah, frère, ça peut être ta planque, hein. Par contre, je vais demander 4000 balles par mois. Mais ça peut être ta planque, hein. Voilà, ça c'est mon gars, ça. Bon, c'est un gangster. Juste, faut pas qu'il pète tout, quoi. Je vais vérifier les antécédents. C'est pas grave, le casier judiciaire, je m'en fous, ça. Juste, je veux savoir si... Mauvais. Ah, il va me baiser l'appart, il va me niquer l'appart. Mais... Oh, non, il y a une autre qui aime bien. Elle, elle aime bien. Kelly. Bon, pars, toi. Je prends un peu de temps pour savoir, mais... Alors, Kelly. Ah, Kelly, c'est mauvais, hein. Et Kelly, moins 263 000 balles. Mais c'est pas possible, putain, mais c'est... Il y a des gens qui sont pas à moins 4 millions ou pas là, sur leur compte, là. C'est infernal. Bon, après, on va faire comme on peut, hein, mais... Insatisfaisant. Ah, je pense qu'elle va bien aimer. Ah, je pense que Karen, là... Karen. Non. Karen... Non mais Karen, elle va jamais lâcher 2000 balles. Bon, faut que je change des trucs, je pense. En fait, c'est propre, tu peux le laisser autant de temps que tu veux. Alcoolique, bouchère. Mais ruine-toi la gueule ici, si tu veux. Hein. Mais oui, il y a du caisson. Voilà. Bon, est-ce que t'as de l'argent, au moins? Détruis-toi la gueule, putain. Bon, est-ce que juste tu payes, toi? Elle a un bon avis. Rapport judiciaire, moins... Non mais moi, mais y'a personne qui... Attends, y'a personne qui a de l'argent. Elle a moins 500 000 balles. C'est pas normal. Mais y'a un souci dans le jeu, là. Elle aussi, bah elle, voilà, gangster. Alcoolique, gangster, elle, c'est les deux en un, elle. Est-ce que je tente de... En vrai, tant qu'il y a de l'argent... Bah ils ont 400 000 de dette. Non, elle est en train de me vomir, là. Alcoolique, gangster... C'est payant de vérifier. Bon. On va rénover un peu. Qu'est-ce que je dois rénover? Tout est sublime déjà. Comment je peux aller plus haut? Porte coulissante. Boum. Ah mais déjà c'est... Je mets deux portes coulissantes. Oh là là là, putain, c'est la gueule du truc quoi, c'est magnifique. Bon, je vais améliorer un peu là. Bouilloire, petit aménagement électroménager. Oh, propre la petite bouilloire en vrai. Ah ouais, là... Petit grille-pain, petite bouilloire. On vit pas dans le luxe nous? Pas de table ronde dans un endroit carré. Hein? Balance de cuisine. Putain, faut que j'en achète une d'ailleurs, moi, ça. On se rend pas compte à quel point c'est pratique tant que... Non, mais là, le micro-ondes, je le mets dessus. Attends, je te mets le micro-ondes dessus. En vrai, la baraque est tout équipée. Hein. Je mets un petit meuble TV, vous avez raison. Et je pense qu'on est bon, non? On va pas non plus... Micro-ondes sur frigo. Oh non mais... On n'a pas l'espace. Table basse. Je peux mettre un petit tapis même, mais les petits tapis ils sont pas très beaux. Hein. Les petits tapis ils font pas... Oh, c'est pas symétrique. Le tapis il est moche, non?
Après, ils vont aimer. Pour l'instant, c'est moche, mais ils vont aimer. Mais une hotte. Des plantes et des cadres. Mais j'ai des plantes, hein. Après, c'est vrai que je peux avoir une grosse plante. Peut-être qu'une grosse plante, ça peut être bien. Parce que là, j'ai que des petites plantes. Genre un... Oh la vache, l'horreur. L'idée était là, mais malheureusement, la réalisation ne l'est pas, n'y est pas, quoi. Ça, c'est sympa, ça. Ah, là, ça fait un peu coin à plantes, quoi. Mieux, non? Je trouve ça pas mal, là, du coup. Petite bougie ici. Non, mais là, je pense qu'ils vont kiffer, c'est bon. Là, je pense qu'ils vont kiffer, ouais. Petite horloge ici, comme ça, ils ont l'heure, ils ont absolument tout. Non, honnêtement, là, c'est sympa, hein. Je te mets même un petit miroir. Ah, bah, on peut pas. Dommage, on peut pas. Je te mets là, le miroir. Oh, c'est chargé, hein. Y a pas de lumière, mais les lumières, tu peux pas... Ah si, une petite lampe, ouais. Une lampe, c'est pas con. Une lampe, c'était pas con, ouais. Une hotte de cuisine. Merde. Lampe. Oh, c'est schlago, ça. Ah, c'est bienvenu chez... C'est vraiment bienvenu chez les schlags, là, quand même, hein. Pas si mal, pas si mal. Hein. Le poster de l'enfer en face du lit, mais je pense pas qu'ils en ont conscience. Ouais, je le vends, je le vends, j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris. Moi, je pense qu'ils pouvaient apprécier quand même, mais bon. Oh, les petits rideaux ici, comme ça, là. Poyoyoy, les petits rideaux pour la nuit, pour dormir. Mais oui! Oh là là, store plutôt. C'est bizarre comment ça fonctionne, tu peux pas mettre dessus. En vrai, c'est un peu chelou. Le réveil par terre, bon, on n'a pas de meubles. Un miroir dans la salle de bain. Mais pareil, les miroirs, c'est un peu lampe LED. Oh, lecteur DVD. Oh, je te mets un lecteur. Pour l'instant, il peut être qu'au sol, mais... Il a un petit lecteur DVD, le mec. Et là, je leur mets un petit porte-manteau ici. Ça, le truc, il faut le caler quelque part, quoi. Ça, c'est bien moche, quoi. Pff, c'est moche, hein. Oh là là, le goût du mec. Les goûts du mec. Derrière la douche. Ouais, mais non, parce qu'en fait, faut un espace pour y aller. Bon, ça, c'est un coup assez électrocuté, mais au moins... Le lavabo est trop... Non, mais tu peux pas choisir ça. Non, mais là, ils vont se fumer. Là, il va y avoir un mort, là. Il va y avoir un mort. T'as eu pas 3 étoiles. Comment tu vois ça? Aperçu des finances. Ouais, parce que je suis en train de payer, moi. Non, mais on est pas mal, là, hein. C'est un début, quoi. Moi, je pense que c'est un début, là. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais tu vois, c'est... Il y a du progrès, quoi. Je te mets un petit panier de linge ici. Non, honnêtement, il y a du progrès, je trouve. Ah ouais, je te mets le miroir ici, on est bon. Et ensuite, c'est fini, là. Et on a investi là-dedans, quand même. Hein. Vache. Je te mets le petit miroir là. Ça, il pourra se regarder. Ok, c'est un bon début, ça. Ok. Quitté. Bon, allez, vas-y, on se refait une visite libre. Là. Allez, 300 balles. Mais les habitants du quartier aussi, ils sont alcooliques. Comme nous pouvons voir ici avec Lauren Sparks. Il a chié mon tapis. On va le savoir tout de suite. Il est pas si mal, le tapis. Athlète, serveuse, 91K.
40 ans. Eh, Barbara, c'est exactement la personne qu'il nous faut, Barbara. Juste, j'espère qu'elle va bien aimer. T'as pas pris l'option journal, ouais, c'était cher. Oh, le DVD, ouais. Si l'autre ne marche pas dessus. Emma, 92K aussi. Oh, elle aime pas le DVD. Bah attends, je te mets rien alors. Hein. Oh, l'autre. Bien. J'attends de voir les bougies, c'est cool les bougies. Petit repas en amoureux pour ton futur mec. Et oui, on joue là sur la psychologie. Bon, c'est bien, mais elle, je pense, elle kiffe. Bon, j'ai... Zéro, elle a pas de dette. Putain, ça fait longtemps. Pas de dette, insatisfaisant. Allez, casse-couille, Emma. Mais Emma, elle a pas de dette. Emma, je la négo et c'est 3K. Dans 60 jours, je lui mets à 2000... Mais elle aime pas trop, en fait. 2700. Elle me fait une offre à 2002. Ouais, je mets 2600, on est bon. Ouais, 2600. Pas 2583. Mais ça, c'est de la merde, ça! Impossible de faire une nouvelle offre. Moi, je la prends pas. Putain, on peut pas gratter. On peut pas gratter sur ces jeux. Très bien. Oh bah, elle est mieux. Non, Barbara! Barbara est partie. Putain, il nous faut quelqu'un d'autre. Oh là là, on peut pas les pigeonner. Gamer, 86K. Ok, elle aime bien. Oh, je perds fou l'argent, là. Je fais des... Trop gris, un peu gris. Bon, bah, casse-toi, toi, casse-toi. Elle, je l'aime bien, elle aussi. Elle aime bien, la plante? Ouais, très bien, très bien. Je vérifie l'historique de location, les antécédents. Faut aller vite, là. Elle aussi, elle est pas mal, hein. Est-ce qu'il y a de la dette? Insatisfaisant. Il y a de la dette, en plus. Il y a de la dette. Vas-y, barre-toi, toi, barre-toi. Demandez de partir. Elle, je l'aime bien. Ouais, toi aussi, barre-toi. Elle, je l'aime bien. Après, j'ai envie de go comme ça, là, sans rien. J'ai envie de go sans rien, mais je demande tout, là. C'est qui, lui? Oh, lui, il est bien, lui. Catégorie crime. Délit majeur. Coups et blessures. Incendie criminel. Résistance à l'arrestation. 218 000 balles de dette. Madame, je vous demande de partir, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. Oh, j'allais lui donner l'appart comme ça, hein. Lui, il est gangster. Ah, mais on n'en peut plus! Bon, toi, on vérifie, là. De toute façon, on va falloir faire des compromis, quoi. Je pense qu'il va falloir faire des compromis au bout d'un moment. On n'aura pas la personne, hein. Zéro. Oh, Hassan. Mauvais. Bon, c'est un porc, quoi. Hassan, c'est un porc. Je vérifie lui. Lui, je lui demande de partir. On veut juste la vérification entre Hassan Finlay ou Hassan Evans. Evans, c'est zéro aussi. Evans, c'est excellent. Evans, c'est lui. Négocier. 3000. 3050 même. 60 jours. 3040. Il prend direct. 2005. Allez, je te le fais à 2009. Et on n'en parle plus. Non! Mais c'est de la merde! C'est de la merde, gros! Je suis en train de lui parler, je suis en train de négocier, on est en train de boire un petit café, ça papote, il me fait une offre à 2005, j'envoie du 3000. Le mec, il se casse. Oh non, on avait le gars parfait! Quel coach! Putain, j'y retourne, 100 balles. 100 balles, j'y retourne. C'est qui, lui? Il y a déjà un mec, 92 000. Vérifie les antécédents, c'est gratuit. Oh, j'ai une promo? Il aime pas. Zéro dette. Attends, il faut trouver un truc qu'il aime bien. Et dès que c'est à très bien, je lui... Ah ouais, putain, deuxième visite, plus personne n'aime. C'est vrai que ça m'a coûté une blinde, là. Hein. C'est pas des joueurs de foot, père. Il aime bien, très bien, boum, je le négo. 2007, 3000, 60 jours. 1006. Je refuse de payer aussi cher. Le mec vient d'arriver à Paris, casse les couilles à tout le monde. Exceptionnel. Oh, c'est Ellie. Ah, Ellie, elle a 400 000 de dettes, Ellie. Je la sens. Zéro. Pas de casier. Insatisfaisant. Vas-y, Balek. Ellie, là, 3K2. Prix de loyer sélectionné. Je tente le 3003. J'aurais dû... Ok, mais dans ce cas... 3002 pour 60 jours. Vas-y, j'accepte. 3100. Ok, c'est Ellie. Quel appartement fantastique, j'essaie encore d'en charger mes chakras après le déménagement, mais je suis persuadé que mon aura deviendra plus forte que jamais. Mais c'est tout pareil. Namasté à toi aussi. Elle a 300 000 balles de dette, hein, du coup. J'avais pas bien lu.
C'est énorme. C'est énorme du coup. Yes. Allez, on va faire des petits boulots, hein. Est-ce qu'il faut virer des gens, là? Visite libre. Un peu de babysitting, peut-être. Voilà. Oh, il y a une offre d'affaires d'élite. Cherche un architecte maigrichon pour me faire une cabine d'équipage. C'est moi. C'est moi. Encore, mais tout est dans le bateau, il n'y a que eux. Oh la vache, je vais te faire un truc. Karen, encore. Vas-y. On va faire un truc, déjà, je vais tout lui voler. Ça va être... Oh, dommage, ça a cassé. Ah, ça coûte 40 balles. J'en suis là, du coup. Oh, le hamac. Le hamac, l'argent qu'on va se faire sur le hamac. Elle va jamais payer. Je pense qu'on va avoir des emmerdes avec l'autre. Hein. L'autre, il m'a envoyé un petit message. Mon propriétaire vient de me dire que vous êtes ma nouvelle référence. Un peu triste, je commence à bien m'entendre avec lui. T'inquiète, Edward. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Il est pas mal, le jeu. J'aime bien le truc où t'as deux, trois bails différents qui fait que ça casse un peu le côté redondant. C'est assez sympa. J'aime bien pour l'instant, j'avoue que... Ah merde, ça a vraiment pété ça. Ah bah du coup, faut le jeter. Ah, si tu le jettes avant, tu peux avoir de l'argent, quoi. Warzoulette, merci pour le Prime. Tu vas en refaire, mais on n'en a pas encore. Les Sims Proprio. Non mais c'est marrant, le côté... En fait, c'est le côté rénovation est cool. Moi, j'aime bien. Mais j'avais peur que ça soit que un truc de décoration. J'aime bien l'aspect, tu sais, tu dois... Relation avec les gens, tu dois choisir ton bon gars et tout, donc... Ça, j'aime bien, moi, dans les jeux. Ah, le petit stock à 40 balles, là, il est... Pas volé, celui-là. Revenu, facture. Après, je me fais 2000 balles par mois. J'ai un peu gratté, quand même, tout à l'heure. Ellie, elle va nous... C'est toutes les semaines qui paye, ouais, c'est vrai. Du coup, comment c'est la rénovation? Qu'est-ce qu'ils veulent, eux? Un hamac de marin. Ah, je l'ai même pas volé. Ils veulent 3 hamacs de marin. Mais... C'est quoi? C'est un dortoir, le bordel? C'est-à-dire, vous faites quoi avec tout ça, vous? Je vais me caler sur lui et je vais les mettre en... Ah, l'enfer. Horrible. C'est un dortoir. Moi, je fais un dortoir, hein, du coup, là. C'est pour l'instant mon idée, quoi. Pourquoi en plein milieu de la pièce? Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais... quoi qu'il arrive, en fait, t'es obligé de trop les espacer. C'est vrai que c'est peut-être plus sympa de faire un truc genre... Comme ça. C'est vrai que c'est peut-être plus sympa de faire ça, genre... Par exemple. C'est vrai que c'est peut-être plus sympa de faire ça, oui, en effet. Parfois ça prend un peu de temps de mon côté. Alors ils veulent quoi? Mur, ils les veulent en marron. Marron, on a déjà eu ce débat. Ah mais on a du nouveau marron là. J'ai du nouveau marron qui vient de rentrer quoi. Devant la porte. Putain, j'avais pas prévu que c'était là la porte. Quel con. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, il y a un radiateur aussi. Voilà, vous aurez chaud comme ça. Ok, du coup, déjà, on va se faire le sol. Le sol, c'est du plancher. Bah, ça, on a déjà eu un peu. Il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Hein. Parfois, c'est un peu le problème de ces jeux, c'est que tu es en mode. Tu tournes un peu en rond, quoi, sur la couleur, les trucs et tout. C'est que. Bon, c'est pas mal, hein. Dans une coque de bateau. J'ai l'impression d'être dans le thème. Voilà. C'est quoi le MDP pour le frérol de soin? À 20h là, dans une heure? Parce que c'est table de poker avec Romain Grosjean, Gigi, Twix, Doc Seven et Benny, animateur Poker Stars. Le mot de passe c'est Popcorn. Et c'est frérol de Domingo. Il y a 80 tickets à 125 balles à gagner le tournoi. Belle symétrie. Ouais, j'ai senti que ça. Bon, c'est pas parfait, mais j'ai senti que ça vous aurait tilt sinon. Tenez pour les pointilleux. Pas parfait encore, mais bon, j'essaye de, tu vois, au moins c'est pas total à l'arrache. Les murs, on les met en quoi? Oh, c'est horrible ça, hein. En fait, le souci, c'est que les murs sont horribles.
c'est pas ouf, mais c'est un style. Honnêtement, c'est un style. Du coup, les barils. Mais je comprends. C'est quoi cette pièce en fait? Je comprends pas là. Je peux peut-être m'inspirer de ce qu'ils avaient fait la dernière fois sur. Je vais foutre deux barils côte à côte. Tu vois, donc ça c'est sympa, ça fait un peu fond de cale. Et à côté, je peux mettre genre. Peut-être deux barils comme ça. Je peux peut-être faire un truc comme ça, quoi. Ça peut être bien ça. Décoration de bateau. Oh, mais c'est les mêmes là, du coup. Ça va être un peu redondant si c'est la même chose, du coup. J'aurais fait quatre coins lits séparés. Ça pouvait être pas mal aussi. C'est vrai que ça pouvait être pas mal aussi. Ça, c'est bluff, la cloche du réveil de... Là, je vais te mettre la cloche, bluff, les pompiers, t'entres ici, clac, boum, 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 tout le monde sur le pont. C'est un peu l'ambiance. Là, je vais leur... Oh, je vais leur faire un petit... Oh, ça va être... Oh, c'est bien. Je vais faire une ambiance ici, un peu jeu... Tu sais, genre les marins qui attendent leur... Oh, c'est parfait, je sais ce que je fais. I know what I'm doing. Si je trouve... Ah, mais là, il y a beaucoup de gens, là, quand même. Là, il y a 4 mecs, il y a censé avoir 4 mecs, quoi. Oh, parfait, ça. En vrai, parfait, ça. Ensuite, il me faut des chaises un peu à l'ancienne. En fait, il me faudrait des jeux de cartes. Tu vois, un peu l'échiquier ici, l'ambiance. Oh, j'adore. Oh, là, j'adore, là. Ah, ça, c'est... Ah, tu vois, tu mets 2-3 petites bougies ici, comme ça. Ici, tu te mets un petit compas en mode... Oh, j'adore, j'adore! C'est pas mal, là, non? Si, si, c'est pas mal. Ah, mais du coup, c'est dommage, parce qu'on va pas pouvoir les... Tu vois, je voulais un truc un peu... Ah, c'est dommage. Un peu tabouret, ça peut être pas mal, hein, peut-être. Hein. Là, je te mets ça. Des bancs. Il n'y a pas de bancs. Mais en fait, c'est ça le souci, là, c'est qu'on est un peu limité par... Là, en fait, on va être un peu limité à force par... L'échiquier qui dépasse de la table me dérange. En fait, c'est pour, c'est pour mettre une ambiance un peu, tu joues de côté, quoi. Parce que sinon, c'est très... Tu vois, sinon, c'est très rectiligne, quoi. Je me permets maintenant, mais bon, je vois qu'on va pas avoir le choix, puisque... en fait, le jeu ne le permet pas. Le jeu est juste en train de brider mon efficacité, donc mais du coup, je vais mettre un truc un peu différent. Oh là là, deuxième idée. Poussez-vous tous. Mais non ! Laissez-nous en paix, là. T'as envie de le mettre au milieu, cette chaise. T'avais envie de le mettre au milieu, la chaise, un peu en loubar, quoi, tu vois. Oui, est-ce que je voulais, quoi, t'as un truc un peu... Clac, là, t'as des bails un peu comme ça, où lui, il est là-dessus. Ah non, carte au trésor et tout, y'a plus. Oh non, y'a plus les trucs de trésor et tout. Ah là, on les a pas de dispo, c'est dommage. Ah, c'est dommage, parce que là, du coup, c'est que les... Ah, mais du coup, c'est un peu cassé, là, ce que je voulais faire. Bouteille, on peut pas. Écrit en anglais pour la recherche. Ah, Treasure? Treasure Crown? Un problème. Vas-y, envoie le professionnel, toi. C'est vrai qu'on a lui, hein. Mais non, je crois pas, malgré tout, qu'il va y avoir. Hein. Tu vois, je pense que ça va être quand même... C'est dommage. Non, en fait, c'est juste en fonction de certains bails, quoi. C'est en fonction de certains bails. Chest, non, parce qu'en fait, je pense que... Moi, je les ai pas débloqués. Genre, dans la dernière mission, là, par exemple, genre, ces trucs-là, je les ai pas débloqués. Tu vois, donc... Tu vois, c'est vrai qu'on va mettre des fléchettes, un peu, pour le...
pour le jeu, même si... En fait, faut 91%. Non, bah ensuite, faut juste mettre... Je vais mettre 2-3 plantes et on ira bien, on sera bien. C'est juste qu'on chauffe un peu trop par rapport à la demande, quoi, je pense. Ah, il est forcé, ce cactus. Il est forcé, mais en même temps... Ah, il est forcé, quand même. Quand même bien forcé, là. Je vais le mettre là. Quand même pas mal forcé, le con. Ah, mais là, il y a trop d'ambiance différente, là. Là, il y a trop d'ambiance différente. Il n'y a pas assez d'ambiance saloon, là. J'ai une petite ambiance saloon. Le calendrier à 19 balles. Où est-ce que c'est que ça? Ah, c'est pas mal, mais du coup ça mélange un peu les époques là. On en a mis hein, ça déjà, pas mal là. Non, je pense qu'on va se mettre... voilà, ça, là ça charge là. Là c'est G-Char là. T'as 9-4 budget. Je te mets ça là. Le piano pour le saloon. Ah, ça pouvait, mais du coup j'aurais pas fait ça, tu vois. Ah, chiap. On va envoyer comme ça, là. C'est bon. 91%. Faut juste qu'on rajoute 2-3 trucs histoire qu'on gratte des pourcents. Et ensuite, là, on est en grattage. Mais c'est vrai qu'on n'a pas pu... Toute ma créativité n'a pas pu se faire, là. C'est dommage de, tu vois, d'avoir que des options fermées, entre guillemets. Le mec nul en créativité, putain. Et là, ça va juste pousser, en fait. Ouais, c'est énorme. Parce qu'on est avant tout des gros bonhommes. Putain, je suis un giga bonhomme. Je te prends aux échecs et ensuite, je soulève. Et ça, ça fait 100%, ça fait 95. Je vais te mettre un giga plante, mon pote. Giga plante, on est... On n'est pas là pour rien. Toi, qu'est-ce qu'il y a, toi? Il y a un souci, toi? Voilà, je préfère ça, en fait. 95% terminé la mission. J'aurais 4 étoiles, c'est bien. C'est bien parce que sinon... C'est tellement chargé. Bah, c'est un peu le but en fait. Sinon je pense que t'as pas l'argent si tu mets pas suffisamment de trucs non plus quoi. Donc... Du coup voilà quoi. Est-ce que je peux changer la couleur des murs ou bien changer le parquet? Notre contrat ne nous le permet pas, alors non. Qu'est-ce qu'il nous fait lui? Si c'est ce que vous voulez. Alors, respecte toi. Oh, il va pas kiffer du tout lui. Tu fais jamais les murs. Ah, les murs, t'as la peinture, mais ensuite... En fait, faut qu'on ait plus de trucs. L'intérêt du jeu va dépendre de ça. Réussi. La question, c'est il m'a mis combien, en fait? C'est tout ça, là. Il a pas dû mettre... Il a dû mettre 3 étoiles. 4 étoiles, on a? Oh, on va pas se faire chier. Hein. Ah, je vous le dis, on va pas se faire chier, moi. Ah, ça. Ça, je vous le dis. Je cherche quelqu'un pour garder un oeil sur ma famille. Rémunéré, boum, j'accepte. Ça fait un peu de bif. Recherche de locataire, aménager un coin ou faire la fête entre amis. Pas mal ça. Hein. Ligne directrice, première impression, mur, moins important, meuble. Pas mal, je vais accepter ça là. Je vais accepter, du coup je passe niveau 3. De... Oh on a plein de... Mais on les a déjà ceux-là. Alors qu'on les a... On les avait peut-être pas du tout. Ah, parfois les jeux comme ça qui débloquent des choses au fur et à mesure. On m'a dit que vous étiez en charge maintenant, mais ouais, paye tes factures. Ouais, j'ai 500 balles. Elle a aucune dette Ellie hein. Ellie, on a mal parlé d'elle, mais elle nous emmerde pas en locataire au final. Ah, il y a la banque. Je peux prendre un prêt. Putain, je vais m'acheter une baraque. Je me refais 2-3 missions, je m'achète une baraque. Sur 18 mois. C'est les taux à combien? À 5%? Ok. Ah, mais t'es obligé de prendre 50 000 en premier. Sauf que 50 000, il n'y a pas d'intérêt pour l'instant. Le chauffage ne fonctionne plus. Je commence à être frigorifié. Ah bah Ellie commence à nous emmerder. Vas-y, j'envoie un pro. Ellie, je la mets bien. Elle payait bien, j'ai pas envie que ça parte en couille. Je peux vivre dans l'appart sans... Ok, super. Boum, boum, boum. Joueur. Commentaire. C'est ok, je crois que tout s'est bien passé. Ah bah tout ça parce que je t'ai dit de pas changer là. Oh le bâtard quoi. Quel bâtard. La banque. Non mais je vais pas prendre 50k maintenant.
La banque, nous pouvons enfin contacter un prêt. Ouais, j'ai vu ma gueule. J'ai vu babysitter, donc là, je dois garder ça. Et là, je dois rénover, putain. Là, on doit rénover. Ok. Holy shit, pour faire la fête. Ok, on commence le nettoyage. Je dois rénover un endroit sympa pour faire la fête avec des amis. Ça va être une de mes missions, ça. Là, je vous le dis, là. Ok, toi, tu peux partir. C'est bon. Putain, sérieux? Il y a le meilleur joueur manette en live, là? Lourd. Stylé. Ouais, mais laisse-moi tranquille, toi. Commencer la rénovation. Oh non, il y a un problème. Avec mon matériel électronique. J'envoie mon oncle. Mon oncle, il va te réparer ça tranquille. T'aurais dû prendre la douche. Oh, je l'ai même pas gardé. Ça marche à nouveau. Je suis pas un escroc, moi. Comme vous pouvez le voir, je suis... Ah ouais, non, toi, faut que tu quittes. L'oncle, il fait plaisir. Hein. J'avoue que l'oncle, il met quand même bien. Donc, du coup... Attends, je peux... Ah, je peux plus prendre la douche. Putain, j'aurais dû. Mauvais... Ah, mais il faut tout retaper. Oh, putain, il faut tout retaper. Oh, c'est vrai que là, au bout d'un moment... Chambre à coucher. Donc, ça, c'est la salle de bain. On va commencer par la douche. Moi, j'aime bien les douches. Mur peint vert, ok. Celui-là, je te le fais rapide. Celui-là, je te le fais vraiment rapide. Allez, hop, clac. Sol posé, c'est du strati. Allez, je te mets un peu de strati. Je te mets du strati en quoi? Je te mets du strati en montéo. Allez, hop, c'est dégueulasse chez toi, mon pote. Chez toi, je vais te les ruiner, là. Chez toi, ça va être dégueulasse. C'est dit, on a besoin d'argent. Allez, tiens, je te mets les douches level max, quand même. Hop, boum. Là, ça, c'est vraiment alimentaire. Là, on est vraiment dans de l'alimentaire au maximum. Hop, 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 c'est toujours la même. Bim, bim, boum, bam, bam, bim, bim, doum, doum, glam. Toi, c'est bon ici dans la salle de bain. Ensuite, la chambre à coucher. Chambre à coucher, ils veulent quoi? Télévision. Non, ça, c'est chambre à coucher, lit simple. Ils veulent deux lits simples. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Sol posé, mur peint, marron. Tu veux du marron, je vais t'en foutre du marron, moi. Allez, hop là, tiens. On teste, en fait, on va tester chez les gens ce qu'on mettrait pas chez nous, tu vois. Comme ça, quand on est chez nous, au moins, ça va être sympa. Et ils veulent quoi? Au sol, ils veulent du linéum. Linéum. C'est quoi le linoléum? Linoléum. Allez, hop là, dégueu. Dégueulasse. C'est ça d'avoir des enfants. Mais non, parce que eux, là, c'est genre... Il y a une douche, un séjour et une chambre. Donc, c'est pas des enfants. Enfin, tu sais, c'est... Ah, c'est du lino. Oh, je suis trop... Ah, mais je suis trop con. Je suis... Mais parfois, je suis vraiment trop con. Genre, linoléum, gros, je pouvais continuer à dire ça genre 20 000 fois, tu vois. Pour moi, c'était pas du lino, quoi. C'était du linoléum. C'est vraiment... C'est deux choses différentes. Tu peux cliquer sur les items avancés. Ils veulent un micro-ondes dans la chambre à coucher, mais ils font quoi? Tiens, je vous mets au sol. Un réfrigérateur. Mais qu'est-ce que vous foutez dans la chambre à coucher, les gars? Ils ont combien de... Ouais, ils ont de la thune. Alors. Et avec ça, deux lits. C'est atypique, quand même. Deux lits simples. Ok, bah je vous mets côte à côte, hein. Pas de jaloux, quoi. Pas de jaloux, le micro-ondes, je le mets dessus. Ah, on peut pas, il est trop haut. Bande de bâtards. On va se mettre 2-3 trucs, histoire qu'ils soient heureux, quand même. Commode avec miroir. Voilà, parfait. On va se mettre un petit étagère murale. Est-ce que je peux mettre ça par-dessus? Eh non, je suis trop con. Eh ouais, je suis bien con. Oh, mais là, ils vont me pisser à la gueule, là, quand même. Non, là, je les respecte pas, là. Ah, l'étagère murale, elle fait pas plaisir. Oh, bah si, juste ici. Oh là là, mais quel génie. Il leur faut un matelas. Ah, un matelas en plus, mais c'est... Ah oui, c'est vraiment juste pour faire la teuf, quoi.
petit matelas gonflable. Oh bah là vraiment ils vont se taper le micro-ondes au sol. Hein. Moi je pense que... Pourquoi le frigo est dans la chambre? Moi je suis là pour servir les clients. Ils veulent un gris comment on leur met quoi comme gris? On va leur mettre un gris un peu clair, un peu festif, je pense. Je vais leur mettre un gris un peu clair à côté, je vais envoyer quelque chose qui tabasse pas mal justement, qui nous fait penser un peu à une place, quelque chose un peu ensoleillé, on a l'impression qu'il peut, il pourrait y avoir un stand pas loin de Merguez quoi, tu vois. Et ça, une barre de pole dance? Ah mais c'est giga teuf chez eux. Je vais la mettre dans le coin la barre de pole dance. Ah oui, c'est vraiment, j'avais pas vu tout ça. Table basse, on va voir en fonction de ce qu'ils ont besoin. Non, ça va pas être trop comme ça. Je vais la mettre... Ah oui, mais c'est vraiment... est-ce que je mets le canap pour... ça, c'est un bon canap de soirée de voyeur, ça, c'est parfait. Tac. Ok. Fauteuil. Fauteuil, c'est... Dans l'angle, c'est parfait. En fait, je sais pas si je me mettais là, le canap, ou là. En fait, ça fait un peu... Ça faisait un peu bizarre du coup. Je pense qu'on va se mettre... On va leur mettre deux canapes. Hein. Je pense... Oh, j'ai une idée. J'ai une idée. C'est de la merde en fait. Parce qu'en fait, sinon, ça aurait été de faire clac. Ah, mais les canapés d'angle, ça rend pas hyper bien comme ça. Hein. Oh, quoique. No joke. Quoique, je te fous une petite plante derrière. Ni vu ni connu le man. Eh hey ! Oh là, mais la créativité ! Il y a plein de rats. Allez, c'est pour l'oncle. Ouais, il sait faire ça. Hop. Putain, c'était pas mal. Ça m'a surpris d'avoir une bonne idée comme ça. C'est une salle d'attente ou un séjour. Oh, il est dur, celui-là, il est dur. Le petit chewing à chaque fois qu'il y a un rat qui se prend dedans, là. Hop, merci de m'avoir aidé. C'est un plaisir. Message. Ok, super. On y retourne, nous. On était là, nous. Nous, on était là, et j'aime bien l'idée, parce qu'en fait, là, on va pouvoir se mettre... commencer la rénovation. Du coup, là, on va pouvoir se mettre différents jeux... Là, c'était pas mal parce que du coup, ici, ça peut être un peu la grosse teuf où tu te mets les fléchettes, ce qui était important pour eux. Le souci, c'est la télé. Où est-ce que je vais mettre la télé? Remplis la pièce un peu. J'essaye. Oh, je te mets un piano. Hein, 5000 balles. Ils ont plus l'argent. Quoi? Ça m'a sorti du truc? Trop bizarre. Le truc, c'est il nous refaut un espace un peu télé, machin. Mais comment tu te crées un espace télé là-dedans? C'est pas simple là quand même. Canapé confort, tu vois, tu vas pas te mettre le truc au milieu de... Parfait, le canapé juste en dessous des fléchettes. Télé murale, ça vaut une blinde hein, je crois. Ah genre ici? Ça, je peux le mettre au milieu, limite. Et ça, je le fous là, genre. C'est pas ouf, quoi. Hein. À la place des canapes. Ouais, mais si je te mets la télé là, quoi qu'il arrive, les canapes, on va être baisés, quoi. Mets les deux canapes autour de la balle de pole dance et tu mets ton coin TV ailleurs. Ah, pas mal, ton bail. Genre un... Attends. Ouais, quoi? Pourquoi ça bug à chaque fois? Je suis trop con quoi. Putain, à chaque fois je... Mais c'est moins beau quoi. Ça fait vraiment club de strip.
Après, la barre de pole dance, c'est toujours un peu, tu vois, genre... C'est quand même une ambiance, quoi. Non, je vais foutre ça dans le coin. Je vais foutre ça dans le coin, on n'a pas le choix. Non, non. Les canapés dos à dos, histoire de visuellement diviser l'espace. Genre, un côté pole dance et l'autre télé. C'est pas con, con. C'est pas mal ce que tu m'as fait là. La propale est vraiment pas mal. Hein. Ah là j'aime bien là. Le dos à dos est bien imaginé je trouve. Ah ouais 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 c'est... C'est pas mal du tout là. Mais bon là c'est vrai que ça fait très... Il me reste 1800 balles. Et 1800 balles... Je fais quoi? Je mets un fauteuil là genre? Pas obligé de coller au mur. Deux salles, deux ambiances. Pour accueillir, c'est top. Le fauteuil, j'avoue que... Ventilateur. Merde, j'ai reçu un message. Ah non, c'est l'autre qui me payait. Bah attends, on va reprendre une mission, là. Recherche de locataire. Je peux pas faire du babysitting. Voilà, parfait, un peu de babysitting. C'est parfait. Un ventilateur, ouais. Vent... Oh, il fait chaud ici, hein, sur le ventilateur. Oh, vraiment le cliché. Oh là là, il fait chaud ici, dans le coin pole dance. Hein. Oh, c'est fou. Aventure de coclasse. Peut-être pas l'ambiance, ça. La sono pour le pole dance. Oui, c'est pas mal aussi. Son. Mais je sais pas s'il y a du... On n'a pas de truc de son. Enceinte murale. Oh, l'ambiance plouc. Oh, l'ambiance terrible. Non, je vais te mettre un petit canapé. Oh, c'est terrible. Ici, c'est tellement vide, là, le restant de la pièce. J'ai plus d'argent, en fait. J'ai 1000 balles pour l'enceinte avec l'étoile. Hop, oh, je te mets une petite sono ici en... Histoire qu'on soit bien. C'est pour danser. Ah mais là on est parfait là. Je vais mettre un giga tapis et en vrai j'aurai plus d'argent. Oh, c'était pas incroyable hein, ce qu'on a fait. Hein. Un bar. Ah mais il nous reste 800 balles là. Là faut qu'on habille, là faut qu'on mette de la plante là. Là c'est le moment de la, c'est le moment de la plante là. Pas mal, le délire un peu crépuscule derrière, là, il est sympa. Créer une ambiance un peu cosy. Oh là là, parfait. Oh, parfait! Oh, les ploucs ultimes! Oh, la barre de pole dance, c'est derrière, tu as le souffle coupé. Oh, c'est sublime. J'adore. Hop, ici, je leur mets un petit Did You Smile Today. Histoire de... Il va falloir sacrifier la télé. La télé, on l'a achetée, maintenant c'est trop tard. Maintenant, on est avec cette merde, là. Ah, le Winter River, il passe pas partout. Hein. Ah, ça non plus. Hein. Oh là. Oh non, 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 non. Oh, je leur fous un petit sapin. Non, mais écoutez... Là, on pourrait avoir quelque chose, quand même. Un truc un peu coloré, ça va mettre de la couleur, ça va mettre une certaine ambiance, pourquoi pas, pourquoi pas. Est-ce que je peux mettre une table? Il me reste 200 balles. Hein. 200 balles pour une table, ça va être un peu chéros. Sauf si je me mets cette étagère murale qui va concrètement servir à rien du tout. Hormis ça, je te le fous là. Hormis habiller un peu ce mur qui est très vide et me permettre de rajouter ce fabuleux, ce fabuleux. Ce fabuleux cette fabuleuse cafetière, voilà, dans un style un peu ancien avec la bouilloire qui va avec, qui nous permet vraiment d'ici de mélanger les styles, d'aller chercher quelque chose d'un peu baroque. Ah c'est pas mal ça. Ah là c'est pas mal là. Ah là c'est... Ah je suis tout pile là.
Ah là, je suis vraiment tout pile là. Hop, je me mets le petit grille-pain si jamais dans la chambre, parce qu'ils ont quand même ici à bouffer. Ah, c'est parfait, c'est vendu. 94%, ça m'aurait étonné qu'on puisse faire plus hein, là-dessus. Hein. Là, je te fais un coin où tu me laissais 5000 balles de rab. Non, je pense que la télé à 2500, elle est greedy quand même. Bon, un peu déçu de la salle de bain, le man. Oh, je vais me taper 2 étoiles. Je vais me taper 2 étoiles. Il va pas aimer ça non plus, il aime rien. Faut faire confiance à là, ouais, c'est bon, j'ai des bonnes notes récemment. J'ai des bonnes notes. Tu le revends au prix fort, c'est pas comme... Quand en contrat, tu la revends au prix fort, c'est pas comme ton appart. C'est bien. Ah, elle aime bien le pole dance. Léotel, merci pour le prime. Pernet, 31 mois, Niplixo. J'ai combien du coup? Mec, j'ai 4 étoiles. Hein. Première impression. C'est quoi première impression? Ah, en fait, quand il est rentré, il a pas trop kiffé. Décoration, je me tape un 5 étoiles. Hein. La moitié de l'appart est vide quand même. Hein. Acheter un appartement à Ferry Street. Croyez-moi ou non, mais j'ai trouvé tout un tas de cafards dans l'appartement. Ouais, on envoie l'oncle. Allez, c'est le moment. La télé, il me semble que tu l'as... Ah, d'accord. Ah, d'accord, quand, dans les contrats, tu peux revendre et c'est au prix où t'as acheté, ok. Dum, 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 dum. Boum, ça disparaît, on va aller dans les chiottes, là. Ah, ça a tout fait d'un coup, parfait. Parfait. Mais non, Pample. Putain, désolé. Si je t'ai laissé un mauvais souvenir. J'ai une petite affaire à vous demander, je suis à court d'argent ce mois-ci, est-ce que je peux vous payer seulement la moitié du loyer habituel? Non, on va faire un prêt. Merci pour rien, connard. Bon, bah écoute, ça je te trouve tout de suite très agressive. Je sais que t'as 200 000 balles de dette sur ton compte. Voilà, je me suis permis juste de ne pas te faire ça, quoi. Du coup, là, je dois acheter un appart. Alors, c'est où les apparts que je peux acheter? Ils coûtent combien, déjà? Ça coûte 91 000, ça. Moi, si je prends 50 000 de prêt, j'ai que 81 000. Ah bah, c'est pile là que je dois acheter. Ah, il faut qu'on forme la thune, quoi. Bon, vas-y, je vais aller farmer vite fait, là. Faut qu'on trouve des gars. J'ai du budget, j'ai 850. Ok, il surkiffe. Allez, dis-moi que t'es bien. Avis mauvais. Dette 500 000, putain. Là, c'est le moment, tu vois, où je kiffe le jeu, mais un peu peur qu'on tombe dans un truc hyper redondant maintenant. Et en fait, c'est un peu le souci parfois des jeux de gestion comme ça, c'est que là, on a le pattern maintenant, et le pattern, en fait, tu dois le développer pour bah, monter à 100 000. À 150 000 balles, t'as un appart un peu plus grand. Oh, le chauffage ne fonctionne plus, je l'envoie en professionnel. Et ainsi de suite, quoi, tu vois. Et du coup, en fait, moi, là où je suis curieux souvent dans les jeux, c'est la capacité... Attends, ils veulent quoi comme mec? Entre 20 et 41 ans, non cuisinier, d'accord. Après, là, je m'en fous, en vrai. Je demande juste... J'ai juste besoin qu'il ait pas de... Oh là là, le mec, il a fait des crimes, il a crime et tout, l'intégrale, lui. Lui, il aime pas, il est insatisfait. Barre-toi aussi. Athlète, 49 ans. Ah, il est un peu hors du cadre, mais à voir. Elle était comment? Elle aime bien. Sans que ça soit dingue non plus. Rapport judiciaire, dette zéro. Il aime bien négocier. Faire une offre. Mais là, tu vois, je comprends pas l'argent que je prends ou pas sur lui. Sachant que quoi qu'il arrive, l'argent que je prends... Tu vois, en fait, là, comme c'est pas mon appart, je sais pas l'impact de à quel point je dois me déterre pour lui ou pas, quoi. Farnum, merci. Est-ce que ça serait pas comme dans la vraie vie, PA? Pour les jeux? Ah oui, bien sûr. Ah, bien sûr. Bon, là, on attend l'avis du client.
Et là, en fait, tu débloques de plus en plus de trucs. Donc, t'es obligé de passer par ces phases, mais c'est normal. C'est ce qui fait que les jeux, ils ont très peu de durée de vie. Mais c'est surtout dans les jeux de gestion, c'est très difficile d'avoir des jeux qui ont une grosse durée de vie et qui n'ont pas ce côté où tu retombes dans les mêmes dynamiques, tu vois. Mais pas mal. Je pense qu'on va se stopper là. Ou en vrai, peut-être que j'ai rien compris, ce qui n'est pas impossible. Oui, c'est ça, t'es agent immobilier, en gros. Et tu refais... tu prends rien par rapport à ce que tu essaies de gratter. Ouais, on est d'accord. On se rappelle tous de Planet Zoo. Ah, Planet Zoo, c'était le feu, quand même. Planet Zoo, c'est... Je suis un peu sceptique. Après, moi, je suis exigeant aussi, hein. Moi, j'avoue que je suis assez exigeant dans ce genre de truc. Tu vois, là, mais c'est vrai que t'as ce côté de... Augmente la vitesse. Planet Zoo, Planet Tycoon, j'avais surkiffé, moi. Planet Coaster, pas Tycoon. Parce que là, du coup, on peut avoir un contrat d'élite, mais... à nos 1800. Vous en avez pensé quoi? Moi, j'ai bien kiffé, honnêtement. J'avais pas... À un moment, en fait, quand il était sorti, les notes étaient pas ouf, et j'avais un peu peur, alors que le jeu me donnait trop envie. Moi, j'aime trop ce truc d'interaction, tu sais, avec les locataires et tout, tu vois. Je trouve ça trop cool, ce genre de jeu qui, du coup, a cet impact, tu vois. Cet impact, je le trouve trop bien, hein, de se dire, ok, lequel je dois choisir et tout. Ensuite, c'est juste, dans la découverte de l'impact que t'as dans les relations entre PNJ et toi, c'est ensuite la profondeur du truc, qui est parfois difficile, quoi. Parce que là, c'est vrai qu'on a joué quoi là? On a joué 2 heures et demie. Après, je pense qu'il y a beau, c'est comme d'hab. Après, moi, je suis chiant, je suis exigeant, je le fais en stream aussi, donc c'est différent. Donc, les nouvelles du jeu de station de ski, je crois qu'il est sorti. Écoutez, j'ai un problème. J'envoie un professionnel, ma petite gueule, y a pas de souci. Enfin, ils font quoi là? Mais elle vomit, elle. Parce que du coup, tu vois, c'est un deux. Tu sais, justement, dans ce côté-là de gestion du joueur, savoir ce que tu peux faire. C'est là généralement où les jeux deviennent excellents ou pas, quoi. Ça me fait penser quand t'es videur de boîte de nuit. Ah, out of the box, c'est les Sims en fait. Bah, y a tout un truc hors Sims qui est très cool. Ah, mais là ils ont encore des rats là. Oh, yo, 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 eux ils sont dans. J'envoie mon oncle il fait le taf. On va finir ces deux missions là. Non, mais c'est un problème très souvent dans les jeux de gestion, manque de profondeur. Je suis assez d'accord, tu vois. C'est pour ça que. Que souvent, du coup, t'es en mode, bon, bah... Mais c'est, ça doit être dur, hein, pour ceux qui devent les jeux, etc. Mais c'est imaginer, t'as l'idée de base, et ensuite, qu'est-ce qui va faire que t'as des nouvelles mécaniques? Parce que là, par exemple, on n'a pas des nouvelles mécaniques, on a des nouveaux objets. Ce qui fait que tu peux décorer de mieux en mieux, tu peux aller de plus en plus loin dans la décoration, etc. Ce qui est déjà très cool. Et au fur et à mesure, ça remonte, tu vois. T'as des nouveaux trucs, tu... Mais c'est vrai que quand c'est juste la décoration et que, bon, bah, tu peux décorer un peu mieux, ça t'aide. Moi, j'avoue que c'est pas le premier. Je sais qu'il y a des gens qui sont fans de jeux de décoration et tout. Moi, j'aime bien ça parce que ça m'amuse et ça pousse ma créativité. Mais City Skyline. City Skyline, par exemple, j'y avais joué. Mais je suis chiant, moi aussi, après. Hein. Je suis un peu chiant, je le sais, mais bon, du coup, c'est comme je suis, quoi. Mais en fait, City Skyline, ce que je trouvais chiant, c'est que j'avais fait une grosse ville. Et en fait, la grosse ville, pour la multiplier, bah, en fait, c'est vraiment du clonage. Et en fait, bah, tu prends ce que t'as. Tu le fais alors différemment, mieux, etc. Et ensuite, c'est des soucis de gestion, d'optimisation, tu vois. Mais acheter des immeubles entiers, choisir le nom d'appart qu'on va faire, etc. peut être cool dans ce cas. Ouais, non, mais c'est ça, tu vois. Ensuite, tu peux. Mais ensuite, c'est la profondeur, quoi. Parce que là, en gros, il me faudrait quelques métiers de plus, enfin quelques missions de plus à faire. Là, ensuite, je pense que la suite, c'est de prendre la banque, le prêt à 50 000. Avec le prêt à 50 000, du coup, je m'achète l'appart ici. 12 mètres carrés, machin, donc très stylé, année de construction. Tu vois, c'est sympa les trucs d'année de construction et tout. Je le rénove, je le vends, ce qui fait que j'ai deux... Attends, je vais lui rappeler de me payer, elle. Paye-moi gentiment, toi, quand même. Hein. J'ai marqué que vous n'aviez pas payé. Chloé, cette semaine. Ah, c'est pas mal, là, il va peut-être rien me dire. Et je vais devoir aller chez elle. Désolé, je n'ai plus d'argent. Ah, c'est pas mal, ça. Et qu'est-ce que, du coup, je lui dis quoi? Ah, et putain, donc là, t'es baisé parce que, en fait, la meuf, elle t'a niqué, quoi. Et si je veux casser le contrat, je dois lâcher 1300 balles. Là, elle squatte chez moi, maintenant. On est là-dessus. Et on sait depuis combien de temps elle est là?
marche difficilement en vrai, ça. Ah non, et là tu peux du coup demander le paiement. Payez votre putain de loyer à la fin. Désolé, je n'ai plus d'argent. Ah, elle est juste en boucle, elle, maintenant. Mettre fin au contrat. Sans frais. Et du coup, après, tu peux mettre fin au contrat. Elle, elle a plus une thune, la meuf. Comment, suivant le bidonville, on est où déjà, nous? Merde, je suis où? Le bidonville est assez grand, quand même. Tu l'as. C'est peut-être un petit peu excessif. Bon, je me suis perdu. Attends, mais du coup, tu peux faire quoi? Et en fait, soit t'annules la dette parce que tu crois en elle, entre guillemets, ça fait longtemps et que juste c'est un mois difficile. Soit tu mets fin au contrat, quoi. Ça aurait pu être mieux, mais ça aurait pu être pire. Au revoir. elle m'a douillé. Ok, là t'as les prix. Et là, donc, du coup, tu repars en location pour retrouver un truc, etc. Ok. Bah, sympa. Non, honnêtement. Ouais, ça te save automatiquement. Ouais, ça save automatiquement. Bah écoutez, sympa le jeu. Sympa. Genre, The Tenants, là, bien sympa. Je sais pas quelle est la durée de vie, par contre, que tu peux avoir, où tu continues à t'éclater dessus, etc. Je sais pas si j'en referais, parce que j'avoue que là, en deux heures... mais souvent, c'était un peu ça. Après, je... sympa à regarder, en tout cas. Ouais, j'aime bien, moi, j'aime bien ce genre de...